Là, on m'entend. Et bonsoir. Ouais, ok. J'ai fait les petits tests de son. J'étais pas sûr. J'avais l'œil. J'étais dessus. J'ai fait des petits tests. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une petite surprise. Comment ça, tout le monde? Bonsoir, Violette. Re. Bonsoir, Areza. Bonsoir, le freaking Nemesis. Ça fait un petit moment, Loulou. Ça fait plaisir. T'as ramené ton fiac. Est-ce qu'il est propre ou est-ce qu'il est suintant de transpiration? Parce que t'as trop chaud. Et coucou ma petite Laïrissa. Hein. Bonjour. Hein. Voilà, il fallait que je dise ça. Il est propre. Tant mieux. Donc vous avez tout chaud. Et ben moi, chez moi, je suis à la campagne, ma maison. Je l'ai bien faite, donc elle est bien J'ai isolée. la chatte qui me gratte. Va chier. Ah, va-t'en, ma pouponne. Va-t'en, ma La bibitte. chatte, ça commence. Ma bibite. Et le pire, c'est que je l'oublie après les streams, c'est fou. Je vais me renommer en l'aérissant à force. J'avoue. Loutin. Donc moi ça va. Mais aujourd'hui, j'étais sur le chantier. On a travaillé dehors. Et dans l'espèce de toit. Des combles en fait. Hein, tout simplement des combles à faire de la VMC. Il devait faire sans mentir. T'arrives, 7h du mat. Bon, on commence pas pile poil à 7h, mais t'arrives. T'as pas bougé, t'as rien fait. Juste, tu te poses à genoux avec tes outils, tu transpires déjà. Il fait, je sais pas, il doit faire 45 degrés, j'en sais rien, c'est une fournaise le truc. Donc j'étais pété de chaud toute la journée, j'ai pris des coups de soleil. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si on voit là, non, on voit pas. J'ai pris des coups de soleil, j'étais en débardeur, c'est trop chaud. On voit pas trop, ouais, non mais il me semblait. Il me semblait. Même moi avec la lumière, je vois pas là. Et pas Et même que Vésu! Vézina, c'est la plus jolie. Coucou Vésu! Je t'ai pas encore vu. Je le fais pour elle. Ça va ma petite Vésu? Je lance mes wraps, mais je vous écoute. Bonne app. Wrap quoi? Je sais qu'il n'y aura pas de chèvre, t'es comme moi, t'aimes pas chèvre. Putain, Jésuna. J'ai vu ça tout à l'heure, j'étais mort de rire. Je dis, attends, est-ce que c'est elle-même ou c'est Violette? Il y a une grande chance que ce soit Violette. Je vais attendre qu'elle se dénonce. Et oui, effectivement, c'est Violette. Du coup, j'ai quand même 2-3 trucs à vous dire aussi. Voilà, parce que le planning n'était pas très très clair. Mais ça y est, le planning s'est dessiné en cours de route. Cligne l'image en arrière-plan. Pourquoi? Tu me parles à moi? Vendredi. Normalement, je ne savais pas ce que je faisais. Violette m'a proposé un jeu. Je vous dis pas qu'est-ce que c'est. Déjà, même moi, je me rappelle plus du nom là. Mais donc, je vous dis pas qu'est-ce que c'est que je me rappelle pas. Et donc voilà. Vendredi, on fera un jeu que vous savez pas qu'est-ce que c'est que je sais pas non plus le nom. Et samedi, j'avais mis l'étale compagnie avec un point d'interrogation parce que voilà, il fallait que je vois si j'avais des mates. Le mec était grave au courant. Ouais, je sais, je sais. J'essaie de professionnel. Et samedi, j'ai les enfants. Des fois, je vais peut-être me retourner comme ça. Et samedi, on va faire du Lethal Company avec Louloutin, avec Lairis, Vésu et Violette. On va le faire en mode, comme à la sortie du jeu, sans mode, sans rien du tout, pomme de terre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Il y a eu des matchs depuis. Apparemment, ça se trouve, on va rien savoir faire. Mais ça va être drôle, on va découvrir. Ça va sûrement re-nous faire peur. Parce que justement, c'est nouveau. J'ai été casté, je me sens une star. T'es une star, t'es une movie star. Bah par contre, s'il veut pas la ken, sa meuf, moi j'y vais. Hein. Coucou Louloute, merci pour ton lurk. Et puis bon courage, Loulou. Bon petit courage, mon petit Loulou. C'est vrai, on se croyait fort, mais en réalité, on va être des gros caca, c'est sûr. Mais c'est sûr. Mais je me suis jamais cru fort. Les... J'ai jamais été fort. En mode ou pas mode, j'ai jamais été fort. Du moment que je peux compter sur quelqu'un, je compte sur quelqu'un. Surtout en stream. Je me dis, bon, moi je gère le stream, eux ils gèrent le jeu. Sans mode et sans Néo. Ouais, parce que Néo, j'avoue, il carry un petit peu. Bon, il triche, mais il carry.
J'ai peur d'être pas. Mais arrête de. Mais c'est fou ce que vous avez de vous dire. On va pas. Je vais passer sur un stream. J'ai peur de pas être drôle. Mais je vous dis pas de venir pour être drôle déjà. Je vous dis de venir juste parce que vous êtes vous. Et vous serez vous-même drôle sans réfléchir. Arrêtez de me dire ça. Je te demande d'être toi. Tout à fait. Voilà. Tu prenais la conf avec la minimap. Ouais, mais la minimap, dès que je mourais, il fallait que je la remette. Donc, vu que ça me cassait les burnes, en général, je la remettais pas souvent. Donc, je m'en servais un petit peu de la minimap, mais pas longtemps. Je me souviens, quand t'as compris le fonctionnement, tu disais, suivez-moi, je cheat. C'est bien mon style. C'est tout à fait mon style. J'adore cheater, moi, dans les jeux. Mais genre, je cheat. Toi, je me cache pas. Ça m'amuse de cheater, de faire voir que je cheat en plus. Je trouve ça tellement drôle. Je joue au petit con, quoi. Le petit con, simplement. Voilà. De toute façon, c'est drôle que si vous l'oubliez, vous êtes en stream. Oui, en plus. Ouais, mais t'inquiète pas, elles oublient très très vite, que ce soit Violette, Vésu, Léris. Bon, elle a un petit peu plus l'habitude de passer sur les streams et tout, mais. J'adore aussi chier. Oups, pas le même mot. Oh putain, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je vais vous dire ça, mais je vais vous le dire. J'ai chié tout à l'heure en rentrant du boulot. Oh putain! Et ouais, elle arrive là-dessus. Et ouais, elle arrive là-dessus. Super! Comment ça va, Ewa? Merci de passer faire coucou, ça va très bien. Et merci pour ton petit lurk des familles, ça fait plaisir, Wawa. J'étais en train de dire que j'avais chié tout à l'heure en rentrant du boulot et j'avais pas chié depuis dimanche matin. Avec le boulot me levant très très tôt. D'habitude, je faisais mon caca vers 11h midi. Là, il y a d'un coup, il a fallu que je le fasse vers 5h du mat. J'ai dit non. Mon corps, tu sais, je fais tout ce que je pouvais. J'ai donné. Hein. Impossible. Donc hier, je suis parti à Jeun du caca. Ce matin, je suis reparti à Jeun du caca. Puis en plus, comme je. Comme j'ai mal au dos, j'ai pris des médocs qui me constipent un petit peu la nuque. Alors en rentrant, j'ai dit, attends, faut que je chie un truc parce que en stream, je vais pas être bien. Il va falloir que j'annule pour chier et tout, ça va pas être fou, tu sais. Donc j'ai réussi. Ça me choque pas, c'est mon dernier jour de caca et toujours rien. Ton dernier jour de caca? Le petit Vipro pour Ewa. Tiens, regarde. Bon, je vais vous. Ta main sort du cadre. C'est de la magie. C'est de la magie. Bon, là, elle sort pas. Là, c'est de la magie, par contre. Chara Magix. J'ai progressé l'autre jour. J'ai retourné en voc avec Fabio. Il m'a remercié. Je t'en supplie, fais ça samedi. Violette, en général, en voc, au bout de 5 minutes, elle rote. Ah, tu parlais de l'autre, carrément. Je suis allé si loin quand j'ai fait. Mais attends, elle a disparu où? En bas? Ah là, putain! Ah oui, là, juste là. Mais si, c'est la magie, elle disparaît. Laisse dire que c'est disparaît. Bref. Je vais vous faire voir un truc. Alors déjà, vous m'avez pas dit ta voix, elle est dégueulasse, machin. Donc normalement, j'ai bien bossé au niveau du son. Vous m'avez pas dit, oh, t'es dans un couloir, machin. Donc ça veut dire que déjà, j'ai réussi un truc. Mais j'avais compris, Violette. Mais je trouvais pas où elle était l'endroit où il disparaissait. J'allais trop loin. En fait, fallait juste que je fasse ça. Mais laisse-moi croire qu'elle disparaît. Mais j'ai compris. Dis-le dans une autre langue, mais j'ai compris quand même. Mange deux cassoulets avant le stream. Au pire, tu pètes. Ce sera drôle. Mais arrête, Vésu. Attends. Attends, j'ai pété devant Manon. Et avec Fabio, j'en suis au bâillement. Bien bruyante, très régulièrement. Et accent du sud, fois 1000 pour amuser Galerie. C'est vrai que ton accent, on sent bien que t'es du sud. Le cassous. On est d'accord que le vrai cassous, c'est pas orange. Genre le William Sorin dégueulasse, là. Bien ou bien? D'accord?
Parce qu'en vrai, je crois que j'ai jamais vraiment mangé de vrai cassoulet. Hein. On viendra le voir, Vésu. Ah non, mais quand je pousse au max, c'est hilarant. On va être que 4, il y a moyen que je lâche. Ouais, vas-y. Lâche tout. J'allais faire une vanne pour une ref et tout, mais elle, c'est bizarre comme ça. La ref est bizarre. Et en plus, il faut avoir la ref. Je vais pas la faire. Je vais pas la faire. Bon, 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 je lèche le lurk. Quoi, kissou, kissou, tout le monde. Kissou, kissou, carrément. Kissou, kissou. Kaku Ah, d'accord. Des bisous, mon friquine. Merci d'être passé faire coucou. C'est extrêmement gentil. Je suis désolé, j'ai sûrement été un peu fatigué ce soir. J'ai repris le boulot depuis 2 jours. Je suis levé tôt. Donc, je pense que je vais pas être énervé du ciboulot, je vous le dis. Bonsoir, Fabios. Qu'est-ce qu'il dit, mon loulou? Ouais, c'est pas orange juice, c'est ça. 20h20. C'est fou. C'est fou. Je pensais pas le revivre une fois dans ma vie, mais si, si. 20h20, quoi. Oh! Merde, je l'ai pas vu celui-ci. Bon, je vais vous faire un truc. J'étais sûr que ça allait la vénère. And baby, too, I am. Alors ce soir, du coup, on va faire deux jeux d'horreur. Le premier va finir style, je sais plus comment ça s'appelle. Et deuxième, on va faire Amnesia, The Bunker. Voilà. Still wake the deep, still wake the deep. C'est ça que je voulais vous faire écouter. C'est la petite surprise. Vous vous rappelez, je vous ai dit que je mettais tous les trucs. Il a fait sa blague, il est content. Oh le con. Oh le con. Le con, il m'a surpris. Merci Clone Zero pour tes 2 mois de sub déjà. Putain, ça va vite. Il a fait sa blague, il est content. Voilà. Voilà. Imbécile. Deep Still the Wake, ou encore Still Deep the Wake, exactement. C'est ça. Reste éveillé là-bas en profondeur. Ah, Fabio, tu me fais trop rire. C'est son nouveau truc. Il traduit les trucs et ça me fait trop rire. La dernière fois, il l'a fait avec My Own Summer, là. C'est quoi déjà? Mon été. C'était quoi que t'as fait mon été, je sais plus quoi? J'étais plié de rire. C'était la plus grande spark de la confiance que tu m'accordes. Donc je vous disais, savez les dons, les machins, mon propre été. Voilà, c'est ça, mon propre été. Oh putain, il m'avait tué ce con. Mon propre été. C'est tellement drôle. Le pire, c'est que c'est la bonne trappe. Mais oui, mais c'est voilà. Enchantée, mademoiselle, vous êtes Merci charmante. mon clone pour les 2 mois. Moi, c'est Hein. l'aéro Merci mon loulou. 69 ans. Déjà Peut-on donc. faire connaissance? Putain d'iris. Oui, on peut. On peut. Bonsoir, Iris. Je m'appelle Quato. J'ai 40 ans. Voilà, je suis plus tout jeune. Ça se voit à la couleur de mes cheveux. Je m'entends, c'est horrible. Voilà. Donc, en plus, il y a un petit décalage. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et merci ma petite Léiris pour les 14 mois de sub. Putain, ça fait bizarre quand je repasse en voix normale. Merci Léiris pour les 14 mois de sub. Putain, 14 mois, je me rends pas compte. C'est dans ta tête. Oui, il y en a un, mais en plus de celui dans ma tête, il y a le décalage de m'écouter. Alors je t'explique même pas, ça fait un putain de combo, c'est mort. C'est très dur. Donc là, je vais l'enlever, l'arrêter. Là, je m'entends plus. Je préfère. Bref, voilà. Tout en bas là, c'est marqué Julia Pepita. La dernière fois, elle a fait 50. Elle a encore fait n'importe quoi. Hein. Elle a fait un petit don de 50 balles. J'ai dit, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai dit, bon, je garde, je verrai. Et j'ai recliqué sur Voice Mode et tout. J'ai vu que c'était à moi, machin et tout. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai pas réfléchi. En fait, j'ai pris Voice Mode. Voilà.
Donc j'ai le Voice Mode Pro. J'ai le Voice Mode Pro. Déjà ça passe si vite, mais grave, 14 mois, c'est ouf, je m'en rends pas compte. Je me rends vraiment pas compte là, Iris. Les incroyables rencontres que vous êtes, je vous aime si fort, j'ai hâte de vous voir, vous avez changé ma vie, vous êtes des vrais amis. Oh, les Iris, s'il te plaît. Merci beaucoup, les Iris, pour ce beau message. Bon, on se verra, les Iris. On se verra pas tous les deux jours, hein, c'est sûr, mais on se verra. C'est promis, les Iris, Vésu, c'est certain. Une flamme, mec. Meilleur album celui-là. C'est The Jester Race, celui-là, non? Alors c'était l'époque, le meilleur album de l'époque, après ça a un peu changé. Si je dis pas de conneries, c'est The Jester Race. Ouais, c'est ça, et ça c'est The Jester Dance, j'arrive pas à le dire. Je suis en train de chercher mon repassade de patates au thon et olive noire. Ça c'est bon par contre. Le thon, ouais. Ok, à tout de suite. Enfin, du coup, voilà, j'ai le voice mode. Tout le monde s'en rend, mais ok, voilà, je l'ai. On aurait pu voir Manon Vésu. Fille, je sais. Mais de toute façon, attends. Ouais, Manon, elle est vers Perpignan. Mais toi, Léris et Vésu, vous êtes à Toulouse, toutes les deux. Alors, vous allez me dire, ouais, on n'est pas dans la même région, mais en fait, vous êtes à Diborne. Enfin, Diborne. Maintenant, petit dessert, bon petit dessert, Vésu. À tout de suite. Coucou, Hiro. Comment ça va, le Hiro? Manon, où? Bah, écoute, elle n'est pas là ce soir. Peut-être qu'elle viendra un petit peu après, je sais pas. Et pour l'instant, je sais pas où elle est. J'entends les enfants. Quand la musique s'arrête, j'entends les enfants. Tant qu'ils s'entretuent pas, ça va aller. Comment que ça va, Hiro? On est à 50 minutes de voiture. C'est loin. Tu sais que ça dépend des chantiers où je vais, mais souvent je mets ce temps-là pour aller le matin au boulot. Et pareil pour le soir, c'est pire des fois le soir. Qu'est-ce que c'est cette chanson? Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. J'aime pas les chansons. J'avais 1 minute 20. Le mec qui fait des gammes, c'est nul. J'aime pas. Ouais, je dénonce, ouais. Bah oui, non, mais on peut se voir souvent. Ouais, bah oui, déjà, oui. On s'est vu 3 fois, j'ai dormi dans son lit et on prévoit déjà un autre. Bah moi aussi, j'avais prévu de dormir dans son lit. Et on n'a pas fait encore l'apéro. Dit-elle alors qu'on essaie de se voir tous les 3 mois, ça va. Ouais, ça va. Je mets 45 minutes, une heure. Ouais, Fabios. TMTC, les grosses villes, quoi. Toi, c'est Paris, c'est encore pire. Putain, mais mec, là, avec les JO, ça doit être infernal, là. Ils ont tout barricadé, faut des QR codes et tout. Re-violette. Ça va être le bordel, mec. C'est pas vu depuis juin à peine, et on prévoit déjà de se revoir en tout petit tard. Déjà, dis-moi bonjour, Clone Zero, et après tu diras que j'écoute rien. De toute façon, t'as l'habitude, je t'écoute jamais. Elle écoute rien. Et bonne app, du coup. Attendez, je réalise là. J'ai dormi dans le lit de Vésu, bordel. Mais oui, je peux tellement m'en vanter. J'avoue, mais de ouf en vrai. De ouf. Si on va vous voir, moi je ferai une petite sieste dedans une demi-heure. Que ça, je pourrais dire, je l'ai fait aussi. Fun fact, quand j'invite des gens, comme mon appart est pas grand, je laisse toujours mon lit. Ah, oh, t'es gentil. T'es boule de pétanque. Je suis pas dans la zone JO encore, ok. Mais s'il y a des pannes dans mes RER. Les techniciens n'ont pas accès aux routes barrées s'il y a une panne. Oh putain. C'est un beau bordel. Avec les cheveux de cucu bien exposés. C'est vrai qu'elle a mes cheveux. Mais tout ce qui s'est passé là depuis bon, un peu plus d'un an maintenant, c'est dingue. C'est dingue. Et je pense que c'est pas grand chose en vrai. Et ça peut être bien pire, mais enfin pire. Ça veut pas dire que c'est pire, mais vous avez compris. Hein. J'ai vu que même les éboueurs n'ont pas accès aux zones JO. Mais non, ils ont oublié de leur laisser l'accès. C'est tellement n'importe quoi. Waouh. Après, c'est toujours pareil. Hein. Il y a des milliards et des milliards dépensés. Mais logiquement, ça doit en rapporter beaucoup plus. Mais bon. Est-ce qu'on s'en branle pas un peu? Personnellement, j'en ai rien à foutre. Toulouse, c'est une grande ville. Déménage. En plus, tu seras entre Dada et Quato.
Boycott. Bah moi je boycotte, j'en ai strictement rien à foutre. Hein. Non, rien à taper. Je peux éventuellement un soir lurker, tu vois. Mais c'est même pas sûr. Les JO d'hiver, c'est plus marrant, regardez, je trouve. Certains trucs sont marrants, mais bon, après. Eh ouais, Twitch, c'est des rencontres, c'est plein de trucs, mais on est un peu tous au bout de la France, mais bon. Ça n'empêche pas. Je suis bien placé pour savoir, dépenser où les milliards? Ben, par exemple, dans le truc de l'assainissement de la Seine, il y a plus d'un milliard. En tout cas, pas pour se payer des artistes et des spectacles de qualité, le concert d'Ariel Dombal, puis c'était le concert d'Ariel Dombal. Oh! Est-ce qu'il y a du Ariel Dombal sur Clone Hero? Je suis sûr que Clone Zero, il peut me charter du Ariel Dombal. Je connais pas une chanson d'Ariel Dombal. Peut-être si j'en mets une comme ça, je me dis, ah, c'est elle. Mais voilà. Je pense quitter le pays, mais je ne sais pas où. Ah, carrément, tu veux quitter le pays, toi? Tu penses aller où? Dunkerque? Rien à foutre des JO que les Paralympiques. Ouais, moi j'en ai rien à foutre des deux. Pars pas avant de nous avoir vu, s'il te plaît, Bibou. Ouais, il viendra. Oh yeah, Et là? bordel de merde, on continue comme ça. Et là, c'est fou quand même. Je crois que c'est un des plus vieux subs de la chaîne, de toute façon, Dimitri. Mon Dimitri! Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, passe-moi, mais il est là en l'heure, qui vient, il pète son sub. Comment ça va, mon 10 000 trous, putain? Ça fait plaisir, mec. 17 mois. 17 mois déjà depuis le raid de DJ Boucherie. En vrai, ça me donne la date. Bon, après, tu t'es ça peut-être sûrement un peu après. C'était en vrai, il y a plus longtemps. Merci, mon Dimitri, pour ton soutien indéfectible depuis le début. Le Dimitri venait là. Faut le savoir, il y avait deux viewers. Dimitri, il était là, il y avait deux viewers. Bon, ce soir, on n'est pas des milliards, mais bref. Il était sub même avant que... Ah, mais il était sub avant. Je savais même pas. J'allais le faire, t'es déjà seul, le mec. C'est dommage pour le mois d'août, t'as pas synchro les vacs. Je fais ça, après je supprime mon Twitch, mon mental ne suivra pas. Je rigole. Fais-le pas. Il est encore là, à deux viewers ce soir, c'est pas un connard. Non mais c'est vrai que le samedi, le mardi, c'est beaucoup plus calme. Depuis un petit moment. Ça dépend. Très belle réponse, Vésu. C'est tellement bien, c'est tellement joli ce que tu viens de dire. Ça va, mon 10 000 trous? Tranquillement en congé, ça fait plaisir. Toujours avec tes grosses battes. C'est vrai qu'on est capable de foutre le zbeu. Non, mais tout à fait, comme j'ai toujours dit. Hein. Voilà, je suis pas un grand viewer, moi, sur Twitch. Je vais pas sur des milliards de chaînes. Mais quand je passe un peu de partout, de temps en temps. Et des fois, je vois des gens qui ont beaucoup plus de viewers que moi, mais le chat, il avance beaucoup moins. Alors, c'est pas grave, hein, c'est tout aussi bien, il n'y a pas de bien ou pas bien. Donc, j'ai de la chance quand même, peu importe le nombre de viewers, d'avoir un chat qui parle, quoi. Donc, ça, c'est cool. En vrai, c'est ça le principal. Il était quand le Didi avait 10 personnes, c'est beau. C'est vrai qu'au début, il n'y avait rien. Ça a évolué, écoute, ça prend le temps que ça prend, bah, la chaîne évolue, je prends du plaisir, je fais des nouvelles choses. Il y a un an, c'était pas là, hein. Bah, Dimitri peut en attester, hein. Je sais pas si ça s'en rappelle, il y a un an, ça n'avait rien à voir. Je saurais même pas dire qu'est-ce que j'avais, enfin, j'avais rien quoi, j'avais rien. Ah, le chantier, j'avais honte du Didier, hein. Enfin, je m'en foutais en fait, j'avais créé ce truc pour le créer, j'ai dit un jour je m'en occuperai, mais en fait... Si t'étais pas arrivé, il serait sûrement dans le même état. Ah, il aurait sûrement un peu évolué, mais... Pas loin de l'état où il était, à mon avis. On parle de nous? Nous, on écrit. Ok, je sors. Si, c'est toi. J'ai un Discord si vous voulez le rejoindre, mais honnêtement, on n'y allait pas. Ouais, je disais pas que ces mots-là, je disais, mais... Ouais, je disais, ouais. C'était pour les prévenir que, tu sais, ça allait pas de fou, quoi. C'était une ébauche. Putain, faut que je vous montre un truc. Je suis désolé, j'ai promis à ma fille. J'avais oublié. C'est le mot ébauche qui m'a fait penser. Ma fille, elle me dit, tiens, je t'ai fait un dessin. Ma grande fille, elle a 12 ans. Elle me dit, tiens, je t'ai fait un dessin. Elle me donne ça. Je sais pas si vous allez le voir. Si, vous voyez.
Elle me dit, qu'est-ce que c'est? Vous savez quoi? Essayez de deviner. Attention, c'est une... Merde. C'est une comique. Hein. Elle a 12 ans. En même temps, je lui ai dit un trou de balle. Bon, bref. Elle a 12 ans. Une pêche coupée en deux. Jamais vous allez trouver. Quand je vais vous dire ce que c'est, vous allez jamais trouver. Bon, c'est bon, vous l'avez vu ce que c'est. Je vous laisse... Franchement, je vous laisse jusqu'à la fin de la soirée. Si vous voulez. Un anneau pour pêcher. Elle a 12 ans, Vésu. Un cœur rond. Putain, Léris, elle a presque la réponse. En fait, bon. Putain, ouais, je peux te l'accorder, vous l'aurez jamais sinon. Parce qu'en vrai, la réponse, c'est pas vraiment ça. Non. Je peux vous essayer de trouver. Essayer de trouver, pardon. Voilà, je suis fatigué. Donc en fait, il y a un œuf dedans, ouais. Donc Léris a trouvé. En gros, c'est un œuf, ouais. Mais attention. Oui, c'était possible. D'ailleurs, je conseille pas. Le mordant. Le cercle familial. Non, il y a œuf dedans, mais jamais vous trouverez. En plus, ça n'a aucun sens. Je vous préviens, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La circonférence d'une exoplanète. Non. Œuf de Pâques, non. Ça n'a aucun sens. Un œuf de bébé. Non. Et j'avoue, l'œuf, tu l'as eu très rapidement. C'est vrai que c'est, ouais, c'est vrai que c'est un œuf. Un œuf de God Simulator 3? Non. La tour de Babel. J'en ai marre. Un œuf fécondé? Non. J'ai ri quand elle m'a dit ce que c'était. J'ai dit, mais putain. C'est hyper. Mais enfin. Je sais pas si ça. Un pied de chèvre, elle s'en souvient. Mais ça, c'était la toute petite. La toute petite, j'ai dit. Un œuf éclaté au sol. Non. C'est complètement con. En vrai, je pourrais vous le donner. En vrai, je pourrais vous le donner. Un œuf infini. La tour de Babel m'a eu quand même. Bon, vous me dites, sinon je vous laisse un moment, hein. Sinon moi je lance le jeu et puis je vous laisse chercher. Vous trouverez pas. C'est tellement n'importe quoi. C'est tellement improbable comme réponse. Qui c'est lui? Ocean's Fire Winds. Encore des gars aux cheveux longs, des tatouages. Des voyous. Bon, on va essayer. C'est une cible pour poser la phobie. Non. Un œuf dans une casserole vue du dessus. Non. Quand je vais vous dire ce que c'est, vous allez dire, mais en fait, on a la réponse depuis le début. C'est ce que je vous disais. Je pense que vous avez... En fait, vous avez la réponse. C'est juste qu'elle a rajouté. Allez, je vous aide. La réponse, c'est d'œuf. Elle a rajouté un mot avant. Juste un seul mot. D'œuf. En vrai, non, non, non. Parce que le d'œuf, il est dans la réponse, hein, donc un rond œuf. Non, non. Un œuf sur un crâne. Non, pourquoi un crâne? D'ailleurs, je vais aller préparer le jeu. Parce qu'il faut finir style de Wake the Deep The. Et après, on va attaquer l'autre là, Bunker. On va essayer d'aller vite pour Steel Wake the Deep. Il arrive de. Joli Vésu. Dali Duff. Oh, putain de merde. Il arrive Duff et Daffy. Ah non, c'est Daffy Duff. J'ai dit quoi? Si, c'est ça que j'ai dit. Attends. Rose Duff, tu roules. Oui, Daffy Duck. Oui, bien sûr. Daft Punk. Non. Vous partez loin. Ah, c'est moi qui ai mis. Qui... Ah, il me semblait, voilà. J'ai dit Dali Duff. Du coup, c'est drôle. Du coup, j'ai fait un truc. Un truc drôle alors que j'ai mal lu ton truc. Dali Duff.
Ouais, mais en vrai, ça. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Ali Macduff. Ali Macduff. Daft Punk. Là, vous êtes parti en rigolade, là. Je cherchais plus la réponse. Bon, on dit que je puisse aller mettre mes couverts au sale, là. A eu clone. Ah putain, il y a deux setters. Champi d'œuf, arrêtez d'être fort comme ça. C'est un schéma d'œuf. Je dis c'est quoi? Il me dit c'est un schéma d'œuf. Je vous avais dit que vous aviez déjà la réponse. Et que c'était improbable et que ça voulait rien dire. J'avais prévenu. Un schéma. Je pense qu'elle en a vraiment besoin plus vite. Un schéma pour. C'est le schéma, comme un plan, en gros. C'est le plan, on pourrait dire, un plan. Le plan d'un œuf. C'est le schéma d'un œuf. Si tu devais schématiser un œuf, ce serait comme ça qu'il faudrait le faire, d'après elle. Tu vois? Ça, c'est schématiser. On te demande schématiser un œuf, tu te fais comme ça. Tu prends une feuille de papier et tu te fais comme ça. Et là, tu as schématisé un œuf. D'après ma fille, j'ai failli dire son prénom. Mais oui, c'est pour ça que vous n'allez pas trouver. Avec ce plan, tu peux créer des œufs. Voilà, c'est ça. On peut le faire avec tout le génie. Et mais en fait, c'est un génie. Hein. Ma fille est un génie. Elle est frappée. Je vous le dis, elle est frappée. Elle est tellement frappée. Elle ressemble énormément à bien. C'est trop artistique pour moi. Ouais, elle est chépère un petit peu. Et si je me mettais en scène de live? Et je coupais la musique un petit peu. Allez, on va partir sur le jeu. Bim. Alors normalement, vous avez le son du jeu. Je le prends comme un compliment. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Je fais un schéma du. Je fais un schéma d'une meuf. Merde, mauvais stream. Ok, si tu peux me l'envoyer après. Merci. C'est pour un pote. Je vais jeter mes couverts. Ok. On va jeter les couverts. Donc. Non, vous avez le son du jeu, vous avez tout ce qui se passe, tout ce qu'il faut. Est-ce qu'elle rigole quand elle pète? Ouais. Elle vient péter vers moi, elle rigole et tout. Non, mais elle dit des trucs improbables. Je vous jure, ma grande fille. Elle est trop forte. Putain, c'est le jeu qui fait ça. Je me demandais ce que c'était ce putain de fucking bruit là. Alors, je sais plus du tout où j'en étais. Je sais plus ce que je faisais. Ça va être compliqué. Ok. Passer de trotte. À passer de trotte et atteindre le toit. Trouver un passage dans les escaliers de la ventilation. Et les schémas de meuf, c'est comment? Bah, elle va nous en faire un, Fabius. Oh putain, oui, c'est vrai. C'était cette merde là. Oh putain. Ah oui. Dans la ventilation, il disait. Attends, on peut passer par là ou pas? Non. Putain, c'est vrai qu'il y a cette bait là. Là, on peut passer par là. C'est sûr. Ventilation! Allez. Fais la vaisselle, bonne petite vaisselle, Vésu. Dimitri, putain. Une milliseconde, il a failli m'avoir, cet enfoiré. Bon. Attends, mais lui, c'est une bête, hein? Locked. Ok, c'est là. La finema kick. Oh putain. Ah l'enflure de merde. Oh l'enculé de ses morts. Je peux parler plus vite, hein? Non, je crois pas. J'ai même déjà plus comment le prendre dans ce jeu. Pas tout droit, hein? Hop là! Et là, on est d'accord? Il me suit plus. Ok. Putain,
C'est tellement prévisible, ça fait pas vraiment peur. Le jeu est pas nul, hein, mais il y a eu quelques moments de peur au début, vite fait, à un moment là, mais après. Dalglesh. Tolo. Tolo. C'est complexe, faut pas se gourer, sinon il se retourne d'être contre toi. Il te rappelle toutes tes erreurs et t'en fait un t-shirt. Oula, oula, oula. Oh putain de merde. J'ai eu un peu peur, mais pas tellement. Ça aurait pu être pire. Faut que je pense à augmenter mon casque. J'ai augmenté le casque. Le t-shirt. Même pas un patent. C'est pas assez fort. C'était pas assez fort. C'est un truc, putain. Waouh. J'essaye de... Faut que je trouve la sortie. Coucou Tin, comment tu vas mon loulou? Qu'est-ce qu'il dit le Tin? Fabichon. Ah là. Merci pour le lurk mon loulou. Ah putain le trophée. Le petit succès qui fait laguer le jeu. Ah j'ai mis trop fort, ça me fait mal. C'est le... Je crois. Ça l'a grillé. Oula. Attendez. Pourquoi c'est ça? Ouais. Attends. Ok. Et là? Non, bah, je sais pas. Il y a certaines voix qui l'a grillé. Ouais, c'est ça. Mais c'est ok, ouais. Donc, c'est trop fort. Ouais. Tu as dû le sentir façon de surround. Ouais. Voice mode, c'est top en vrai. Alors attends, venez. Je m'entends, sachez que je m'entends. Ouais, c'est. J'ai mangé du cassous. J'ai mangé du cassous. Faut sortir par la fenêtre ou pas? Je sais pas si il faut passer par la fenêtre. Je suis déjà passé là, je sais plus. Du cassoulet, ouais. Oh, bon. Ça va mon buddy? Mes fesses font clap clap quand je vois que tu en stream. Ça va le buddy? Faut que je m'échappe. Putain. Faut que je m'échappe. Vite. Je sais plus comment on court. Vite. Faut que je trouve la sortie. Quitter la zone de mission, martyr. Ça y est, c'est fait. Oh putain, c'était juste bordel de merde. C'était juste. Tu veux tous les entendre? GG, merci. Ah c'est... Oh, un sur le toit. Le petit succès. On va plus bouger. C'est bien fait parce que quand je rigole, ça le fait pas forcément. J'aurais il faut que j'aille biffer avec ma le con. Grâce. Laissez-moi manger. Bon appétit. Bon appétit. Attends. On a la lumière. Oui, tout est... Ah, faut sauter. Bon appétit. Ah, c'est là. Comment on y va? Déchire le cul. Ah, de ouf. En fait, faut... D'ailleurs, j'ai un nouveau Viprout fait. Ah oui. Ah oui, le Viprout. Je vais essayer de le faire RP.
Fabius. Il est quand celui-là? Ça me donnait la gerbe autant de... Pardon, c'est... Ah. C'est pas ma faute. J'ai mangé... Très gras à midi. Oh putain. Ah, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. J'ai mal au bide. On pose. Moi je... Oh non, je crois qu'il faut que j'y aille. Hybride, lance le... Avec les vôtres. C'est fou. Ah mais là c'est une symphonie. Putain. Le soulagement. Ah, putain, j'en ai marre de vos conneries, putain. Vous êtes intenable. Je comprends pas. Quoi, c'est paix là, bordel? Symphonie paix. Non, on va prendre. C'est ça. Là, il y a cinématique. Hein. Kaz, qu'est-ce que je vais dire à... Bienvenue au musée de paix. Qu'est-ce que je vais dire à Suze? Ah, je vais vous lire les... Elle va me tuer, tu le sais. Le mupette, je vois. Elle t'adorait, grand con. Et les filles aussi. Qu'est-ce que je vais leur dire? Oncle Roy, pas. Putain, oncle. Moi non plus. Moi non plus. Sur certains à cause du live. Quasiment. Ouais, et j'essaierai. En plus. Oula. Et elle. Vas-y. Elle. Ouais. Ah. Ouais, un petit peu. Ah. Bon, faut que j'arrête le truc. Des voix qui parlent bien, et d'autres qui parlent moins bien. Voilà. D'accord, sur du classique. Un téléphone. Mais... Les rômes font rire aussi. Hein. Ok, Fabius, j'essaierai. Bah... Après là, c'est les raccourcis. C'est le nouveau ? Il est joli. Et le noise réduction, ok. Oh, il est beau, le Deep Root 4. C'est vrai qu'il fait chier. Ok, passe le... Je vais lui dire deux mots. Kaz ? Putain. Reviendra pas. Mange Perro. Apéro. Apéro. C'est bon, je viens du Rome, me dégoûte trop, je suis sensible. J'essaye un autre, voir si ça grésille. Normalement. Attends. Je reprends une voix sérieuse, deux minutes.
Et je vais voir dans Voice Bass Mode. Comme tout court. Il faut que je regarde. Il y a toujours une map que j'adore. Donc il y a plein de voix. Bon bref. C'est chiant régler le voice mode, j'ai l'impression, mais bon, c'est drôle. Soit ça coupe la fin de tes mots. On verra. Bah pour l'instant, le, l'héros et tout, ça marche bien. Oui, on doit terminer ce jeu pour faire l'autre après. Tout à fait. Donc là, c'est locked. Je me calme un peu, sinon après, ça, ça peut vous saouler aussi. Hein. Il y a tellement de sons. Après, il y a des sons qui servent vraiment à rien du tout. Il y en a, c'est les mêmes quasiment. Ok, on court comme ça. Ambiance. Alors attends. Du coup, bah voilà, j'ai pris voice mode avec les sous-sous de la commu pour vous faire rire. Et ça a marché. Tant mieux. Tu apprendras que la tradition, c'est de commencer un jeu et de jamais le finir. C'est pas vrai. Ça, c'est pas une tradition, c'est des rumeurs. Je sais pas qui c'est qui vous a dit ça. Attends, il y a des trucs jaunes. Fucking damn it. Ok. Oh! Mais il peut pas grimper cette chose là? Ah, il faut. Ok. Je m'en peux plus. C'est fou, on a fini God Simulator. Voilà. Voilà. Déjà. Les mauvaises langues là, dis donc. Faire ciseaux. Tout est possible. Non, non, je vais le finir celui-là. Je suis à la fin. Je suis clairement à la fin. Fectus, parfois, on ne commence même pas le jeu. Non, ça c'est quand même vrai. Non, on va finir celui-là. On va finir. Et après, on fera l'autre. Et l'autre, il est pareil, il est pas très long. Donc il y a moyen de le finir en deux streams. Voire un, mais bon. Alors, on doit atteindre le poste. Ok. On va courir. On va sauter. Et on va gripper. Il y a rage Peppa, oui. Ah, mais Peppa, c'était tellement de la merde. J'en pouvais plus de tourner en rond et tout. D'ailleurs, je vais prévoir le stream, je rage, mais pas tout de suite. Quand j'aurai plus les enfants, ce sera plus facile. Vu que je parle pas fort. Eh ouais, je me rends compte que je parle pas fort. Je vais regarder. Ouais, attends. En plus, j'ai changé la source. Attends. Je peux monter. Ouais, je peux monter là. Bon, là, je mets à fond. Là, j'ai mis clairement à fond. J'ai peur d'un truc, j'essaye avec la voix. J'ai peur. Non, ça va. C'est pas trop fort. Ok. Très bien. Ok, on va essayer comme ça. Là, je peux pas faire plus fort. Hein. Parfait. Et désolé, je suis fatigué, j'ai repris le taf. Et en plus, j'ai même pas de jus magique. On est à la fin, c'est sûr. Là. On arrive vers le vortex bizarre là, qui nous casse les burnes depuis le début. Par contre, faut aller où? Utiliser la grue pour traverser le pont. Oui, ok. Genre, c'est facile. Ah, c'est là. Putain, je joue vraiment sur un écran très petit. C'était pas un reproche, Hang. Ah bah oui, non. Non mais j'explique au cas où il était pas là tout à l'heure. Non mais tu fais bien de me le dire en plus. C'est grâce à moi qu'ils l'ont fini. Mais oui. C'est grâce à toi. Ah merde. J'ai tombé. J'ai pas fait exprès.
J'ai pas vu que j'étais sur un, vraiment un tout petit bout de plateforme. Ah putain, ok, d'accord. Allez hop. Allez, 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 allez. Je veux le finir. La grue bouge. Ok. Après, c'est là-bas, j'ai fait le con. Ça bouge. Ça bouge. Ah, s'il n'y avait pas le jeu du gars qui trimballe des trucs qui a fini, avec ce BG de... Non, bah du non, 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 non. Je suis allé quand même assez loin, mais non, je l'ai pas fini parce que j'étais bloqué à un endroit. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué au jeu. Je faisais plus le con avec le chat. J'avais loupé trop de trucs, je savais plus ce qu'il fallait faire. Donc non, je l'ai pas fini. Mais j'étais allé assez loin quand même. Tu as fait une bonne moitié, je pense. Death Stranding, de façon clone, c'est... Il n'y a pas de demi-mesure, c'est ou t'aimes, ou t'aimes pas. Ouais. Mais si tu l'aimes beaucoup, normalement. Et moi, je l'aime beaucoup. Oh, oh. C'est de chier devant les portes. Ton voisin, il veut t'enfuir sans te faire attraper. Putain. C'est un truc qui vaut pas cher, hein. Ça vaut le coup de faire un stream là-dessus? Putain, mais ce jeu doit pas être long. Frère, frère, j'ai agrippé là. Ouais, c'est bon. Ouais, il vaut pas cher du tout, c'est un petit jeu à la con. Merde, putain. J'ai lu le chat, je lisais plus les trucs. Là, j'ai chaud, par contre. Ouais, j'ouvre la fenêtre. Ah non. Ok, c'est bon. On n'est pas loin. Ok. Oh, putain, 1 € sur Steam, effectivement. On y est là ou pas? Est-ce qu'il y a un extincteur? Oui, pourquoi je peux plus remonter? Ça passe là? Je sais même pas si c'est là pour aller. Faut aller où? Là-bas. C'était peut-être par là en fait. Vive le poil. Vive le poil. Ah, le vomito, j'avais pas vu, je trouvais pas celui-là. Ah, le vomito du char, ouais. Bon, à l'autre jour, la mienne, elle a... Il y a un truc sur le bureau de mon fils. C'est quoi, je fais? Ah, ça, c'est des croquettes vomies, ça. Poste de commande. Des bisous, ma petite Vésu. La bonne nuitée. Merci d'avoir accepté de venir samedi jouer avec nous. Des gros bibis, la Vésu. Ok, reviote. Plein de bisous, Vésu. Bonne nuit à toi. Fais des jolis rêves. Fais de... J'appelle Finlay. Jesus Christ.
J'ai bien fait la dernière fois de couper le stream. Je suis un peu long, hein. C'est vrai. Et là, on l'a pas encore appelé. Oh, tu te calmes. La mission, elle est là. Elle est où? What the fuck? Ok. Charlie, I'm at Marine Control. I'm not alone. Fuck! Is it that bastard, Eric? No. No. There's no limit. It's Roper. He's all messed up. Kaz, listen to me, alright? Listen. Alright. We need to keep it together. Alright, just tell me what to do. There's only two switches. You just have to find them. First, find the ballast operations panel. There'll be a switch there. Mais quand c'est qu'on on finit ce truc? En fait, je suis dans le time, hein. J'ai regardé un peu avec le stream dernière fois, le premier et celui-là. Je suis dans les temps de ce qui se fait, en fait. Enfin, qu'ils te disent. La première fois, le stream, j'avais presque rien fait, en fait. Ça verrouillait. Il y a un monstre là. Hein. Pourquoi il me dit. Ah. Il y a un monstre là. Ah, c'est lui en fait qu'on entend. Attends. Ouais. Faut aller lui prendre. Il va m'attaquer. Tu me la donnes la clé. Hein. Fais pas le con. C'est une capsule corps, on dirait. Ok. Allez, s'il te plaît. Dis-moi qu'on est à la fin. Parler. Switches at manual. What's next? Now you flood the forward pontoon, and I mean flood it to the fucking brim. Hold on a minute. The pontoons are already fucked full of oil and gas. This might push it all up to the deck. We don't have a choice. The whole rig could tip over. Flooding that pontoon will at least give us a fighting chance. What about Brody? Is he not down there? He'll be out of there by now. Inondons le pont. Il faut vraiment que j'enlève le truc parce que ça me perturbe de ouf. Quoi? Inonde le ponton. Clink, clink. D'ailleurs, il y a un truc. Ouais, non, on s'en fout. Claque son truc. Oh, le feu paix. On dirait un pistolet silencieux aussi. Ouais. C'est vrai. Allez. J'ai le cul serré ce matin, faut croire. Faut croire. Mais ne me parle pas de ça, s'il te plaît. Ah. Putain, du coup, j'ai tout modifié. Ah non, il est là, juste là, le truc. Léviathan, succès déverrouillé. GG, le succès. Merci. Je ne les chasse pas, mais merci. Oh putain. X, c'est celui-là, le X. Ah oui, ok. Donc.
plan de filer au module de forage, trouver la porte de sortie pour descendre. T'inquiète. Il me semblait que c'était celui qui vaut de l'argent. Merci pour les bits. C'est une syncopée, mais là vraiment c'est la syncopée. Bon. On est inondé ou pas? J'ai rien compris. Ah, son voice mode est déréglé, elle aussi. Fire. Bah oui, mais on inonde, on inonde. T'attendais à quoi? Mais je vois rien. Hein. C'est fait exprès, hein, je pense. Que dalle, donc c'est tout droit. Hein. Et là, on va se retrouver où? Dans la mer Michel. Ok, il y a de l'air. Merci à ceux qui ont mis de la peinture jaune. Ça doit être le même cas que ça dans tous les jeux, je pense. Le même mec. Il a que du jaune en plus. Oh putain. En haut? En bas. Évitez la noyade, 100 mètres en haut. Ah ouais. Putain. Oh la chienlit. Ouvre! Ça y va là ou pas? Nope. Ah oui, mais je peux pas courir parce qu'il y a de l'eau. Par ces bancs. Puis avant que ça s'inonde. Je sais plus comment on fait. Ah oui, on peut agripper des trucs pour aller plus vite, mais là je sais pas si on peut le faire. Ah putain, c'est juste un truc pour prendre de l'air. Je sais plus quel côté c'est. Ah bah c'est là-bas, je crois. Quand même fortement la fin, mais je vois rien. C'est un truc de fou. La lumière. On va respirer. Est-ce que c'est là ou pas du tout? Je pense pas. Allez, on y va. Allez. Je sais pas si on peut sortir. Oula, j'ai fait le con, non? Je vais trop loin ou pas? On va vite le voir. Là, il y a de l'air, non? Ouais. M'appeler, vous voyez pas que je suis en train d'essayer de me sauver? Oula, il y a un bug là, il y a un truc bizarre avec les fenêtres. Sus! Sus, je t'ai dit! Sus au roi. Il dit sus quand même, hein. En fait c'est sous, hein, mais bon. Pourquoi ce truc là se met à bugger? C'est fou ça. Sus, nom de Dieu, je te le dis. My kids. Ok, donc faut aller où par là? On dirait vraiment qu'il te donne un ordre. Sus, mais grave. Limite Bigard, c'était un sketch de Bigard un peu. J'ai rentré par où? Je sais plus si je suis rentré par cette porte là.
toute façon, on peut pas passer. Voir celle-là. Putain, je sais plus. Suce, je te dis. Oh, putain, le con. Suce ma couillasse. Oh, il a fait le clip. Merci. Merci, le Ray. Putain, on remonte, on s'échappe de l'eau et on retombe dans l'eau. Et on comprend rien en plus. Waouh, waouh, waouh. Mais frère, on fait rien. Qu'est-ce qui se passe? Et là, d'un coup, tu me lâches comme ça, tu vas me faire mourir. Parce que je peux plus respirer, c'est ça? Putain de con. J'arrive à marcher sur l'eau, c'est nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en équilibre, je sais pas ce qui se passe. Oh putain! Le mec il va se noyer dans 2 cm d'eau. J'ai hâte de voir Amnesia. Il est assez vieux, les gens en parlent comme d'un jeu d'horreur de référence. Mais j'ai jamais vu une jeu. Ah d'accord. Après c'est The Bunker, alors est-ce que c'est. Il y en a un plusieurs ou je sais pas. Mais je crois que t'as des armes au moins, il me semble. T'as un flingue, je crois. En tout cas, t'as pas de flingue, t'as rien. C'est vraiment, tu t'échappes, tu dois. Oh, il est pas nul, style Wick the First. C'est pas le meilleur jeu. Oui, mais. Mais frère, cours, putain de cliché. Il y en a plein d'Amnesia, d'accord. Là, c'est The Bunker. Frérot, mais en fait, on sait même pas ce qui se passe. Alors, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu, ok. Oh, dommage. Il est très bien, bon, bah, ouais. Mais il est pas long, je sais que c'est pas long. Mec, putain, vas-y. Ça me fait rire de l'entendre s'étouffer. Bon, je vais mourir, hein, mais... C'est trop bizarre, ce passage. Il te lâche comme ça, là. Ok. Je peux rien faire, en fait, ça c'est normal, ok. Là, il te lâche pour se retourner. De base, c'était censé être tout droit là. Mais l'eau est montée. Attends. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Mais... Il n'y a pas d'air. Hein. C'est là où j'étais tout à l'heure. Juste... Ah, mais d'accord, ok. Putain, j'avais pas fait gaffe. C'est juste là. Ah, ok, 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 ok. Oh, Jesus. Jesus, that was. Oh, fuck. Rest in peace. Le petit succès. Le petit lagage de succès. Mais non, en vrai, il restait quand même pas mal de trucs à faire. Allez, allez, allez. Finally, thank fuck. Mais du coup, je pense que dès que je le finis, lui. Coucou, c'est pas Joe.
Comment qu'elle va, ou pas Joe? Donc je pense que dès que je l'ai fini lui, je ferai la petite pause, ce sera fait. De toute façon, je vais pas plus loin que minuit. Hein. Demain, je travaille. J'ai déjà envie de dormir. Limite, je vais me faire couler du café. Ah, je le sens que j'ai pas mangé magique. Ça joue à quoi ce soir? Eh ben, je finis Still Wake the Deep. Je l'ai bien dit parce que j'ai dit tous les yeux. Je finis le jeu. Et après, j'enchaîne sur Amnesia, The Bunker. Je dors un peu pareil. Je suis trouvé une nouvelle série de jeux avec des objets cachés. GG, c'est quoi? Hidden through time. Ok. Bah, connais pas. Mais cool, si ça te plaît. Moi, j'ai dû. J'ai 2-3 jeux que j'ai envie de faire, mais je les commence pas parce que je veux les garder pour les faire en stream. Et en vrai, j'ai pas trop de jeux là en ce moment. J'ai fini Diablo. J'ai fini. Grounded. J'ai commencé un Halo, mais j'aime pas Halo. Ça, c'est un FPS, tu tires, tu fais bim bim bim. C'est chiant. Moi, les FPS, ça me gonfle. Mange un truc, bébou. Pourquoi tu dis ça? J'ai faim en plus. Ah, je jouais au premier à l'époque, ça remonte. Moi, j'ai jamais eu d'Xbox avant de voir le Game Pass, donc j'ai pas tâté les Halo. Si, avec un pote, il en avait un, on avait testé, on jouait un peu, mais. Parce qu'on dirait que tu vas t'évanouir. Je vais pas m'évanouir, mais je suis très fatigué. Non, mais ça va bien, t'inquiète. Non, t'as fini Divers 2. Et Divers 2, non. J'aime pas, c'est finissable, à mon avis. C'est pas que j'aime pas Halo. Bah, j'ai pas accroché avec Halo. Alors, dodo. Ouais, bah, pas maintenant, à minuit. Non, je finis ce jeu. Je mange un petit truc, je fais une petite pause. Et on enchaîne sur l'autre, et à minuit, on arrête. J'irai pas plus loin. Mais faut que je trouve un petit jeu à me faire. J'ai essayé Have a Nice Death. Je voulais l'essayer, puis le même jour j'ai essayé, il y avait Jess qui essayait. Il est bien, mais c'est clairement Dead Cells. Voilà, c'est un Dead Cells. Alors bon. Quand on a fait un, tu l'as tous fait. Finally. Jesus. Est-ce qu'on doit faire ça ou pas? Pas du tout. C'est sur mon autre côté. Yeah, leave me a fucking wing. Come back, you're not thinking straight. Du coup, prochain jeu, bah après The Bunker, je finirai Amnesia. Je sais où je ferai le dernier Star Wars machin, là. Jedi, je sais pas quoi. Ou Plague Tale Requiem, mais j'ai peur qu'on stream Plague Tale. On verra. J'ai fait le premier Plague Tale. Je l'ai fini, mais... À la fin, il m'est un peu gonflé, donc j'ai peur que le deuxième, si le 1 m'a gonflé à la fin. Ça peut être très chill, en vrai, ça se regarde. Pourquoi pas, après je peux commencer, on va voir. Mais j'aimerais bien finir. Bon, après, c'est pas grave, je finis pas, tu sais.
que je regarde, je sais pas s'il est très long. Tu l'as déjà vu ce jeu là? Qu'est-ce que c'est, quoi? Bah il y a beaucoup de phases d'infiltration, alors je pense que c'est pareil le deuxième. Oui, il que le café, d'accord. Putain, par où il veut qu'on passe? Putain, mais les mecs, merde. C'est quand fini? Mais arrêtez Finlay, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout par là. Quand même pas sauter dans le vide. Donc ça c'est... Ok ouais, on venait de là. On venait de là. Là y'a quoi? Y'a rien, y'a le vide. Est-ce qu'on peut aller ouvrir ou passer par là? Pas du tout. J'ai envie de sauter là, t'es... Ça peut pas être là, c'est pas possible. Quand je suis passé par là. Bah, faut descendre peut-être. Merde, j'étais déjà là, ok. Et là on peut pas ouvrir, ok, c'est là où j'étais. Si on va redescendre. J'aimerais bien qu'il n'y ait plus de phase d'infiltration avec l'autre monstre là. Ah, il est là lui. Je t'ai vu hein. Ah d'accord. Comme de par hasard. En vrai, oui. Il court. Là où? Jesus, Finlay. What the fucking hell? Guys, I'm here. Finlay, I'm here. On devrait vraiment pas être loin de la fin. Who do I hear? I hear my wife. I just want to get back to her, Finlay. To my Wains. I hear my boy. When he was wee, you know. I hear him now. Kate. Fucking Kate. He's singing. We'll not see him again. There's gotta be a shit coming. Et en fait, on sait toujours pas vraiment de quoi il s'agit dans le jeu. I'm coming. Oh, Jesus! I'm sorry, Finlay. I don't know what to do. I'm going to face it, cuz. What do you mean? We can't get back. We can't. That can't. There's no going to stop with us. Fuck's sake, McCleary. Once to your life. Be brave. Brave for them. You can't save yourself. J'ai envie de passer. Quand ils se parlent comme ça, c'est trop long. You want to leave it a chance? If it gets to the mainland. Oh, you know I'm right. I'm always fucking right. Oh Christ. Surtout quand t'es fatigué, ouais. All right. Allez, allez. Aye, all right. Mais grave. En fait, on s'en fout. Hein.
Mais bon, comme c'est la fin, je peux, ça se trouve, je peux passer la cinématique de fin en vrai. Ça m'est déjà arrivé. Pénétrer, ok. Ça, je sais faire. Pénétrer, mais où? Juste, tu me dis où? Ça va être ce truc là-bas. Là, ça l'a fait, hein. Je peux même pas courir. Ouais, c'est sûr. Parce que là, tu te dors dessus. Ah, je me dors pas dessus, mais j'ai pas la patate. Je suis fatigué, j'ai dit. Mais c'est la reprise, c'est normal. Je vais me recaler. Normalement. Puis la chaleur, quoi. Je pense que juste après, là, dès qu'on a fini, petite pause, pendant 5 minutes. On commence le deuxième. Mais je sais que c'est pas un reproche, arrête de croire que chaque fois je crois que c'est un reproche. Ce n'est absolument pas le cas. Je sais que tu observes tout. Que tu vois tout direct. T'inquiète pas. Je voudrais te le cacher, je pourrais même pas. Ben oui. Et je vais quand même essayer de comprendre, voir la fin, mais. Mais le jeu est joli, hein, quand même. Le jeu est pas moche. Je peux y aller? Alors, cinématique. Fais tout péter, frère. Vas-y. Genre, tu finis le jeu avec un zippo. Ah, mais ouais, c'est une pétrole, je suis con. Forcément. Mais. Ah, ok. Donc, on s'est fait péter la tronche? On fait tout péter en fait, pour pas que. Pour pas que ça encule tout le monde. You don't recognize me, do you? C'est sus. No, sorry, love. You know me. You could say that. It's been a long time, though, Kaz. Hold up. Susan Lafferty. Fuck's sake, is that you? C'est ça, Fabius. The very same. Christ, Kaz, but you look no different. I've still got the nose, eh? Well, looks like someone did a good job of spreading about your face. Drink. Jesus, Cass. I really want to be thinking about Roy right now. He looks after me. He fucking adores you, you know. Well, I am easy to love, Cameron McCreary. Yeah. I'm finding that. Shut up, great Suki Jim. I do though, Suze. I fucking love you. I love you. Je t'aime tellement. You're not so bad yourself. T'es pas ma non plus au fait. Marie. Ah, on peut se faire un petit défi d'accueillir. Vas-y, passe. Passe en dessous. Ça semblait tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais baissé le son de base. La vision de René, toi. C'est bon, vas-y, lève-toi. Putain, mais où on se retrouve là? Ouais, donc c'est ce que je disais, le voice mode augmente de. Après, il faudrait que je baisse en fait chaque voix. Il faudrait que j'aille les baisser dans voice mode. Pour pas devoir baisser mon micro en fait. Ok, non mais je le saurai, au moins j'ai le retour. Ça va finir en queue de pin. Castellane's for me.
Embrasse les enfants pour moi. Mais elle est pas là. Si, elle était là. Là, je reviens pour Noël. Sorry, Sus. Quoi? C'est de l'eau, hein, monsieur. Hey, Cass. I'm sorry it's been so hard. Just wanted to send you this. To say we'll get through it. I know we will. Just take care out there and bring my beautiful big gallus man back home in one piece, okay? I miss you and I love you. And the girls miss and love you. Oh, l'accent de ouf. I'm still raging at Roy, but he's a good man and I know he'll look after you. Whatever happens, we will be. Re une loutre. T'en es sorti, loulou. Si, c'est un apéro, Fabio. C'est dégueulasse, je crois. C'est un des pires trucs qui existent. C'est hyper amer, je crois. Quel enfer, putain. Alors. C'est bon, là, ça va. T'en as fini. C'est du bité. Je connais pas. Biter, bité. Bon, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose à ce jeu? Alors, on a fini le jeu. Mais j'ai rien compris. Voilà. Normalement, oui, vivement que ce soit terminé, ces astreintes de merde. Bah, tu m'étonnes. Il a fini le jeu, t'as vu ça? J'ai fini le jeu. J'ai... Merci les loulous, merci à vous. J'ai fini le jeu. Il a fini un jeu sans savoir. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre du coup. Je vous demande l'heure sur ce GG. Merci pour le lurk encore. Merci pour le GG, le Fulkin. Bon retour dans ton lurk. J'ai rien vu du jeu, tu veux bien qu'on s'en... On va en faire un autre, une autre. Donc j'ai rien compris au jeu. Voilà. Il y a eu passé un truc sur la plateforme pétrolière. On sait pas ce que c'est vraiment. Il fallait peut-être plus écouter les personnages, mais bon, c'est pas, ils parlaient trop, ça me saoulait. J'ai rien bité à l'histoire, voilà. Il a peut-être fallu un peu plus suivre, mais je me suis dit à la fin, on va peut-être ça, mais là, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, je passe en Just Chatting, juste deux secondes, le temps de préparer. Tac, je passe là deux secondes. Je vais faire un truc. Normalement, oui, il y a l'hélium. Eh bien, nous avons fini. Le jus magique. Le jus magique. Oh, c'était le jus magique. Oh, le jus magique. Une de la fois. Beans. Tu peux baisser le son d'épais. Et son... Tu peux tout baisser indépendamment. Quoi, ils appellent ça, c'est con. C'est en train de se friter. Quoi, bocal? Ouais, tu vois. J'étais en train de régler des trucs. Non mais j'arrête, ok. Je vous prépare les cacartes quand même. Je vais prendre 5 petites minutes de pause. J'entends les gosses en train de se friter. Je leur dis vous criez pas, surtout on va vous entendre. Ils font quoi, ils hurlent? Normal, normal. Je fais ma petite pause. Ouais, c'était une voix. Mais faut que je règle une loutre. Faut que je règle un peu les voix. C'est le voice mode, j'ai le voice mode. Pro. Je vous balance ces petites cacartes et je reviens. Évidemment, il est long. Après, le voice mode me prend des ressources du PC. C'est une application, t'es obligé de laisser ouvert. Allez, je garde le live en audio, mais je vais ranger mes affaires. D'accord, ne doute pas de soucis.
J'ai même pas eu le temps depuis que je suis rentré. Mais je sais ce que c'est, des trucs comme ça, des fois. Mon courage, l'outre. Allez, petite pause pipi. Je prends 5 bonnes minutes. À tout de suite. Mais non, mais là, tu peux y aller, là. Je fais la pause, on voit pas. Coucou Quato, excuse-moi de te déranger, mais pourrais-tu, s'il te plaît, lire mes messages dans le chat ? Zebi. Ah, attends, attendez, on nous entend. On nous entend.
Je sais pas ce qu'il a mon stream deck, il fait chier. Ah oui, j'ai la voix paix. Je sais pas ce qui se passe. J'ai vu une loot, t'inquiète. Mon stream deck, il est en retard. Et... d'un coup, j'ai pas compris ce qui se passe. C'est d'ailleurs pour... parce que j'ai loupé le son tout à l'heure. Ok. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ? Bon, on va le laisser, je le sans courir. J'ai terminé le jeu sans courir, je sais pas quoi. What ? J'ai fait un truc. Ouais, c'est bon, il est revenu mon voice mode. Mais je sais pas ce qui s'est passé, mon PC comme d'hab. Je l'avais laissé 2 secondes pour tester. Alors, il est où ce jeu ? Il est tout au début. Et tu as un succès sur le jeu. Pas courir pendant 10 minutes, incroyable. Là, pour couper ça, on va lancer le jeu. Tac. En fait, le fait d'avoir lancé stream machin, ça me faisait un truc de plus. Voice mode me prend de la ressource, hein. On va pas se mentir. Le mec, il a un PC qui est déjà limite et il cherche ta merde, il met voice mode. Normal. Tout va bien se passer. Bon. Je sens que j'ai pas de jus. Jus magique. Là, il doit charger, je suppose. Mais allô, quoi. Et merci pour le changement de titre et tout. Et tout team. Enfin, catégorie. Ok, merci pour la catégorie. Ça passe. Ok, LM. Donc, on va tenter ce jeu. Amnesia The Bunker. Nouvelle partie. Ah ouais, j'avais commencé vite fait, mais pour voilà pour voir. Mais je suis même c'est bizarre. Apparemment, bon c'est pas grave, je recommence. Normal, oui on va faire en normal. Hein. Hop, accepter. C'est quoi, on va laisser tout ça comme ça, on verra. Oui. On commence une nouvelle partie. Let's go. On a 2 heures. Et après, dodo. Bon, j'ai pas touché le son, ça doit être comme tout à l'heure. Cette guerre, il vous faut 2 choses. Premièrement, un ensemble de compétences de base, deuxièmement, le bon sens de faire qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Je peux vous apprendre la première chose, ce qu'on dépend de vous, Romain Delpi, général de brigade de je sais pas qui. 5e bataillon du région, afin de. Ok, vous me dites que c'est peut-être un peu fort. C'est fort, fort. Ok. Je vois effectivement, je baisse, vous me direz. C'est la guerre. Merci, de rien. Non, mais je m'en doutais un peu. Bon. C'est la guerre. Je sais jamais, c'est putain. Le revolver. Indice. Tirer. Là, on se baisse avec ça. Voilà. Je sais jamais ce que c'est, ces putains de touches, moi.
Ça, il appelle ça RT. Et RB, c'est quoi du coup? Ah, c'est ça. Alors, tu te caches, tu peux tirer. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça doit être lui alors. Ok. Comment tu ouvres? Ah, faut juste avancer. D'accord. Ça, c'est quoi ça? Balle de revolver. Maintenez X. Ah ouais, putain. Oh là là. Genre, j'en ai pas. Attends, faut faire ça et charger une balle comme ça? Putain, d'accord. Waouh, waouh, waouh. Faut pas être pressé, quoi. On va prendre les balles de revolver, ok, comme ça. Ah oui, tu peux... ok, donc... Putain, pour recharger... Cette merde... Genre, j'ai 3 balles. Ah ouais... C'est immersif. Bah là, oui. Hein. L'outre. Je sais pas si t'as fait quelque chose, mais en tout cas, j'entends rien. Ah ouais, d'accord, faut faire comme ça en fait. Ouais, c'est immersif. T'as pas fait ta commande Rambo, dis donc. Ça, c'était un coffre. Non, c'est quoi? What? Le truc avait l'air géant et là, d'un coup, c'est une petite brique. Depuis la commande Rambo. Ouais, c'est extrêmement bien. Est-ce que c'est cette chose qui me gêne pour ouvrir la porte? C'est pas impossible. Ça veut pas. Hein. Là j'interagis, je fais ça, donc ça veut pas. C'était un one shot sur le délire de maman. Oui, ok. Je peux bouffer par les mosquitos. Tu peux améliorer à exercer ton talent d'épinçage. D'épinçage de fiac de moustique. Ah, de pinçage. Putain. Qu'est-ce qu'il dit? Ça a pas? On saute? Et j'ai compris après. Attends, il y a sûrement un truc avec à faire avec cette chose là. Non? Là j'arrive pas à ouvrir la porte. Hein. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Tout va bien se passer. Pourquoi ils m'ont proposé de prendre cette merde là? Alors faut sauter par là, tu crois? Attends, est-ce qu'on peut monter déjà? Attends, ça passe là non? Comment on fait pour faire déjà? Comme ça? Non, comme ça, ok. Pas très clair leur jeu là. Hein. Mais pourquoi je peux pas l'ouvrir celle-là? T'as un problème de bébé araignée? T'as plein d'araignées chez toi? Bon, c'est bien, j'arrive pas à avancer. Le jeu a à peine commencé. Le mec est déjà bloqué. Là, j'interagis, je tire. Là, je pousse, ça fait rien du tout. Micro-araignée qui se baladait. Ça veut dire qu'il y a de ma main. Hein. Oh mais merde quand même. Il me dit rien en plus. Oh là là. Le jeu est la gouille. Ou alors c'est moi qui suis pas au bon endroit peut-être. Vas-y mais tu casses les couilles avec ta porte de merde. J'ai envie de tirer dedans. Oh.
Sur le plafond, j'utilise ma raquette électrique et saute directement dessus. C'est un gros claque. Ah, la brique qui ouvre la porte. Mais j'ai essayé déjà. Tout à l'heure. Elle était pas dessus, je l'avais déjà enlevé. Elle tirait la porte, de toute façon, regarde, je vais m'exercer sur celle-là, il y en a une autre. Merde. Juste, tu fais ça, ça va bien en fait, j'ai compris. Hein. Donc, clairement, on peut pas ouvrir la porte. On peut pas ouvrir la porte. Comme ça, en tout cas. C'est pas la brique qui gêne. Je vois rien à part sauter sur ce putain de truc et passer par-dessus. Parce que même monter là-dessus, c'est la merde. Il faut se servir de la brique pour monter dessus. Parce que la brique te fait sauter plus haut. J'en sais rien. Frère, putain. Déjà, la brique me permet de sauter sur le banc. Non, mais ça peut pas possible, là. Hein. C'est génial. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Putain, regarde, c'est quoi ça? On peut les prendre ou quoi? Par contre, s'il y a trop d'énigmes ou de machin, ça va me péter les couilles. Je le sens. Non, ça, on peut juste le pousser, je crois. Il faut faire tourner l'objet. Juste comme ça? Ah ouais, comme ça aussi. T'as pas la tête à ça, je pense. Ouais, mais... Enfin... T'as bourré? Ça se trouve, hein. Ça se trouve, c'est juste ça. Faut mettre des trucs et monter dessus. Putain. C'est quand même pas ça, frère. Soit je suis plus haut. Ça on peut pas prendre. Ça on peut pas prendre. Ouais mais là, là. Mais attends, mais c'est quoi ce jeu de merde? Bah allez me spoiler hein, s'il vous plaît. Hein. Putain de ta grand-mère, la putain de ta race. Ah bah si, ça m'énerve. T'es là, tu sais pas ce qu'il faut faire. Passe-moi un mètre, ça passe. J'ai team viewer, t'inquiète. C'est là, c'est pour ce qui se passe, c'est pour ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je fais rarement des jeux comme ça. Parce qu'en fait, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, mais putain, mais c'est quoi ce délire? Si on peut grimper là, je vous pète la gueule. Il m'explique rien. Il dit c'est pas recommandé de faire sans les indices. Mais d'accord, j'ai les indices, mais aidez-moi quand même. Le jeu, ils sont cons. Sur la table, récupérer les munitions pour plus tard. Sortez dans la tranchée, je voulais. C'est des planches qui font obstacle. Il y a des planches qui me font obstacle là. Mais. Quelle planche, Zebby? J'ai voulu, mais comme j'ai pas beaucoup de balles. Alors on va tirer, hein? Dans celle-là? Bah non. Nope.
Je relis consciencieusement ce que tu m'as indiqué, mais... Il y a des planches, là. C'est complètement désastreux comme début de gameplay. On est d'accord, ouais, on est bien d'accord. Hein. Non, mais... J'espère que je suis pas le seul à avoir bloqué là un petit moment, tu sais. J'espère. Oh merde, il est malade le petit là, c'est la chaleur. Je vais t'enculer le jeu. On ne sait pas si c'est un bug de script ou juste mal indiqué. Non mais mec, attends, là c'est juste pas possible. Ouais, j'ai une icône action pour la pousser, la tirer. Mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. En fait, faut la gripper. Comme ça. Et au pousser, tirer, et ça sauve. Comme là, quoi. Comme ça, regarde. Hop. Tu vois ? Je sais faire, hein, mais sauf que ça pas. Bah, c'est le symbole, c'est le même symbole que pour ouvrir. C'est genre, hop, agrippe, voilà, j'agrippe. Pousse. Non. T'agrippes, tu tires. Nope. Ça veut pas. Frère, mais attends, mais c'est, le jeu, c'est le début. C'est le début du jeu. Tu t'es bloqué comme ça, dans une putain de tranchée. Tu restes une demi-heure. Je m'en fous, je suis capable de rester jusqu'à minuit dans cette putain de tranchée. Faites quelque chose, messieurs, dames, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Cette brique, elle est pas là pour rien. Marrache, quitte ton arrivage. Ah, mais attends, Bud, là, c'est... Enfin, je veux bien, tu sais, mais là... je comprends pas, en fait. J'ai rien. En plus, il y a peut-être des choses que je ne peux pas encore faire, mais depuis le début, j'ai l'impression qu'il t'indique chaque truc après. Donc tu peux pas le faire tant que t'as pas passé de la zone de tuto, quoi. Mais là, on est clairement dans le tuto, hein, et je suis bloqué au tuto. Attends, ça se trouve, c'est des planches ailleurs, hein. C'est pas cette porte, hein. Et c'est moi qui ne comprends rien. Hein. Ok, là, on peut pas. Et je peux pas l'acheter, la brique. Je peux juste la soulever, la tourner comme ça, mais je peux pas l'acheter. Je fais demi-tour. Hein. Ça se trouve, fallait juste aller récupérer une arme. Bah, tu vois, déjà, on peut prendre une pelle. Mais je sais même pas pourquoi. Pas s'en servir. J'ai. S'il faut faire demi-tour, c'est ce que je suis en train de faire. Si c'est pas ça, bah, je me rebarre de l'autre côté. Ouais, mais putain, la brique, j'ai essayé de la lancer, là. Putain de merde. Ils te disent, tu la prends, tu la fais tourner. Tèche la brique. J'ai essayé. J'ai essayé tout à l'heure. Mais ça veut pas tège. Putain, c'est le premier truc que j'ai essayé. T'as. Mais vraiment. Les briques, hop, tu jettes. On commence parce que j'ai vu. Oui, mais. Comment je suis censé l'acheter? Toi, elle tombe à plat comme ça. Je rentre dedans? Je sais même pas comment on la tège. Ah non! J'ai jeté la brique derrière la porte. Tu fais comment quand tu fais ça? Attends, peut-être avec le tabouret. Il est où le tabouret? C'est vraiment de la merde ce jeu. Voilà, je continue parce que... Ah, puis ils te remettent la brique. Putain, mais quelle bande de cons. Elle a réapparu, ouais, je l'ai vu. Avec LT, et comme je sais jamais ce que c'est LT, c'est forcément le bouton de gauche. Genre, ok, là ça sera. Ok, d'accord. Ah, mais c'est ce que je fais. Là, je fais la gâchette droite pour prendre la brique. Si je la lâche, elle tombe. Je vais tout tester. Hein.
Je vais prendre celle-là. Ça, ça fait rien. Ah, mais je sais que c'est la gâchette gauche, LT, c'est left. Mais regarde, toi, là, j'appuie. Putain de ta grand-mère, la pute. Putain! Allez, maintenant que je vais vers la porte, je rage quitte. Je le fais? Non, je veux même pas de GG, annuler les GG. Ok. Le jeu m'a déjà saoulé. T'es censé avoir des indices, des machins. Il te met soulever la brique, machin. Et là, il a regardé Fabios, mais sans. Sinon. S'il regarde pas. Comment je fais? Ah mince, pardon. Ah, c'est ça les planches. Toi, j'avais pas encore passé le truc que Violette elle disait en fait. Elle était déjà trop loin. Oh, en tout cas, elle parlait pas de la porte. Déjà bordel, comme ça. Ah, je fais quoi avec mes pauvres balles là? Impossible, frérot. Il me reste une balle. Je fais comment? Ouais, il me reste une balle quoi. Quoi? Mais putain, c'est quoi ce délire? Ah, c'est pour voir la gravité de l'abri de la blessure. Waouh, waouh, waouh. On la ferme celle-là? Putain. Ok, donc tu restes appuyé. Tu fais juste ça. Et ça fait quoi? Ça te fait voir la gravité? C'est un estimulation le truc. Ouais. J'avais compris. J'ai mal lu ton mot, déjà mal écrit. Simulation. Ça, c'est quoi ça? Un objet pour en servir de matériel de fabrication. Ok. Ouais, donc ça, c'est ok, d'accord. Ça, c'est du Resident Evil, clairement. Tu combines les trucs. Ah bah ça c'est carrément Resident Evil par contre. J'utilise. Oh là oui, c'est vraiment RP le truc, c'est vraiment faut l'ouvrir. Ouais, donc tout est fait pour que faut pas que tu te blesses quoi. Matt, regarde comme il est. Putain, il est bizarre le jeu. Il est vraiment bizarre. Ah, ça saoule. C'est pas mon genre. Hein. Comment on ouvre la porte? Allez, genre avec ça, on peut, tu crois? C'est quoi? C'est un casque? Un chapeau? Je m'en fous, je jouerai au moins jusqu'à minuit parce que je suis tête de con. Mais après. Allez, vas-y! Le paquet fonce à pas. Non, mais faut sûrement trouver une rubrique. Voilà, forcément. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, des grenades, ça peut servir. Ça peut effectivement servir. Genre, faut jeter une grenade là, carrément? Bien évidemment, on sait pas comment on fait. Ouais, lance la grenade, ouais. J'avais à m'équiper de la grenade. Une brique un peu spé. Comment on s'équipe de la grenade? Se concentre très fort intérieurement.
J'avais pas le casque, j'ai loupé quelque chose. T'as loupé que le jeu me casse déjà les burnes. Il fallait jeter la brique sur la porte. Évidemment, le jeu ne t'explique pas que tu peux jeter. Fabio s'est allé voir, je sais pas si t'avais vu ça. Le rage qui est imminent. Voilà, le jeu il est vraiment. Là j'ai une grenade. Je sais pas comment on fait. T'as loupé que ça le saoule direct, ouais c'est ça. Non je l'ai pas vu sinon je l'aurais dit. D'accord. Donc tu vois là j'ai ramassé des grenades. Je pense qu'il faut que je les jette sur la porte. Là je teste tous les boutons actuellement. Je suis en train de cliquer de partout. Rien ne me donne une grenade. Et ils me disent pas. Et je suis censé avoir les indices pour savoir comment on prend les grenades. Genre faut les prendre comme ça. Attends. Raccourci. RT. Croix. Attends, pas. Putain. Putain, faut assigner le. Ok, d'accord. Faut assigner les trucs. De toute façon, t'es pas dans le mood, il vaudrait mieux le faire un jour où ça va mieux. Les souvenirs, la main et surtout les droits, c'est ta barre de vie. Alors là, t'as un doigt baissé, donc t'as perdu une barre de vie. Ouais, 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 j'ai cru comprendre. J'avais deux doigts ensanglantés. Genre, tu fais comme ça, là, attends. Voilà. Apparemment, ça me donne ma santé. Putain, faut la découpiller et tout. Et après, tu fais comment? Paf. Bah, je sais pas, je le trouve très mal expliqué le jeu. Je sais pas, voilà. Je vais pas dire qu'il est nul. On va commencer et tout, mais putain, je sais pas. Merci, c'est pas le GG. Des GG pour toute sa morale. Mais oui! Non, mais je rigolais tout à l'heure, je disais que j'avais pas le droit de GG. Merci pour les GG. Quand j'ai vu le streamer, l'a fait d'une traite sans rencontrer de soucis. Mais c'est un mec qui fait que des jeux d'horreur. Ouais, c'est fait que des jeux d'horreur et tout. Bah, en tout cas, il t'explique pas bien le gameplay, le machin, il t'explique rien. Alors, tu vois, ça y est, je suis rebloqué. J'essaye en fait de faire plus de jeux comme ça. J'essaie de faire un peu des jeux que je ferais pas normalement aussi. Mais ok, donc là c'est là où j'ai fait péter quelque chose de combinaison. Ouais, je sais, mais il y a des jeux qui me donnent envie de ça. Mais je me rends compte que ces jeux là pas forcément en fait. Ça se voit, ça fait chier. Donc là, c'est sûrement une grenade. Ça me fait longtemps à péter. Mais je suis fatigué. Je suis fatigué. Malheureusement, je peux pas le cacher. Ça me fait chier. J'ai pas envie d'arrêter de streamer la semaine parce que je travaille, ça me. Ça me casse les couilles. Pour parler poliment. 22h22. Donc là c'est pareil, encore une grenade tu crois? Là il me tire dessus. Henri, où are you? Attends. C'est fait exprès ou quoi? Non, je pense que je suis mort. Non, c'est fait exprès. Gaz moutarde. J'adore la moutarde. Fais chier. Travailler, ça fatigue. J'ai la solution, je sais pas trop où tu en es dans le jeu. Bah j'ai avancé un peu, on va voir.
Non, mais le début, il est bizarre, là, le tutoriel. C'est un tutoriel, il est censé t'expliquer un peu, mais là, il t'explique que dalle, quoi. Tu fous une moitié de tutoriel. Après, bah, tu te démerdes, tu cherches et tout, mais bon, on explique au moins, quoi. Les grenades, il a fallu que je trouve moi-même. Alors, c'est pas grave en soi. Mais c'est chiant au début du jeu, quoi. Un petit tutoriel, ça coûte rien. Bon, on va voir. Mais ça a l'air d'être un jeu lent, le gameplay lent, tu fais beaucoup d'actions. Tu peux rester exprès quoi, c'est de l'horreur. Henri, ça a été drôle qu'il s'appelle Christophe. On doit aller là, bah je pense, hein, mais... Schnell. Putain. Oh, ça pixelise avec la lumière comme ça. What the fuck? On est mort? C'est fait exprès. Ah parce que là tu m'aidais là. Là t'es en train de me dire que tu m'aidais le jeu là. Bon bah il va falloir grave chercher les trucs, observer plein de trucs. C'est typique le jeu d'horreur quoi. Putain de merde, je sais pas si je vais aimer. On va voir. Je le voyais pas forcément comme ça, on va voir. Oui, le poutre au chat, tout à fait. Alors, tu peux tout prendre, tu peux tout éteindre, tu peux tout regarder. Ça va, Chab? Je vois que dalle. Là, c'est quoi une trousse de soins? C'est pareil, est-ce que tu peux la. Tu peux faire ça, effectivement. Bah ouais, mais c'est quoi que ça veut pas prendre? Comme une couille dans le pâté, c'est vrai. Alors moi, je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué. Je fais un jeu qui est... pas forcément mon délire, du coup. Là. Par le gameplay, surtout. C'est surtout le gameplay, là, qui me... Passer 2 heures au même endroit... Et qu'ils essayent de me faire peur avec des jumpscares bien placés. Et là j'ai pas de lampe de poche, donc je vois rien du tout. Ouais. Donc ça c'est la lampe de poche je crois. Ouais.
Faut maintenir. Ok, faut la recharger. Faut pas faire trop de bruit, visiblement. C'est une dynamo. Ah non, c'est une. Ah, carrément. Ouais. C'est bi. Il y a Erlang gameplay là. Ah bah, c'est... oui, je pense que c'est voulu comme ça. Je vais tenter, hein. On va tenter. Donc en fait, on a de la lumière infinie, mais ça fait du bruit. Alors, je sais pas combien de temps tu peux recharger ou tout, mais... Attends, genre, il y a une photo là, je pense que tu faut la prendre pour faire quelque chose peut-être. Mais juste le fait de prendre une photo, ça me saoule. Alors si c'est pas, il y en a pas besoin, que c'est juste un collectible, pas grave. Mais s'il y a besoin d'aller voir la photo pour faire je sais pas quoi, c'est là où ça me perd en fait, ces trucs là. Putain, on voit rien du tout. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, puis je l'ai ramassé. Faut pas aller plus loin. Non. Putain, mais attends, ça me dit quelque chose, j'avais vu un gameplay de ce machin. Une petite sautation, une petite. J'ai été déconnecté du chat, reconnecté. Il y a un truc bizarre. Déjà, je suis pas très vif, je cobate, mais là j'ai un café, ça devrait m'aider. Et t'inquiète. Je suis un peu aussi. Comateux. C'est la chaleur, hein, ça casse tout le monde aussi. Hein. Et à toi, il faut ouvrir chaque tiroir. Avec. Il s'ouvre pas, évidemment, il s'ouvre pas tout seul. Hein. Pour prendre et tirer. La lampe de poche marche déjà plus. Moi, il fait froid, je vais mettre un peu de chauffage, j'arrête tes conneries. Donc là, forcément, il faut une clé. C'est de genre de truc où il n'y a pas de map, il n'y a rien de toute façon. Donc si tu te rappelles pas par où t'es passé. Bah, t'as des trucs de partout. En plus, t'es obligé d'aller voir dans ton inventaire. Attends, c'est quoi déjà l'inventaire? C'est ça. Là, t'as les notes, les photos. C'est la torche. Carburant. Là, je peux faire des molotovs versés sur le sol et utilisés dans le générateur. La viande. Ils vont l'utiliser pour attirer les rongeurs et autres parasites des bunkers. Peut-être lancer. Waouh. Ok, il y a plein de trucs. Et à un moment donné, il va y avoir des trucs pas très gentils. Là, il y a du sang. Est-ce qu'on peut là-dedans ou pas? Non. Attends, il n'y a plus de lumière. Qui me parle? C'est toi? Mais c'est quoi? C'est un français avec un qui sait parler anglais là, non? Avec l'accent. Mais ouais, c'est sûr. Ouais, je sais pas. Oh ta mère la pute! Oh une loot va te faire enculer. Je suis désolé. Oh tu m'as fait peur! Désolé pour le ta mère la pute, il est sorti tout seul. C'est pas rien contre toi. Voilà, je connais pas ta maman. Enculé! Je me suis retourné. Ça m'a fait vraiment flipper. Oh, le petit bâtard. Merci pour les bits, du coup. Oh, le petit salaud. J'ai cradé tout mon panty. Ok. Millet.
Attends, il y a un petit loquet, frérot. Tu peux pas le lever, là? Putain. Il a bugné sa gueule. C'est la bastos, hein. Tout ça porte des petites bastos. Bon, ça veut dire que ça assurance. Oh, la lampe de poche. T'es obligé de la tirer sa gueule sur la gueule toutes les deux secondes. Est-ce que tu peux prendre ton arme en même temps que la lampe de poche ou pas? Attends, là je suis pas d'accord par contre. Comment tu fais? Tu peux pas, je crois. Attends, fais voir. Non, c'est juste un moment où tu peux pas prendre ton arme, je crois. On est venu prendre des balles, y'a rien d'autre. Mais va te faire enculer toi aussi. Ça va pas quoi? Stream Deck est aussi ralenti depuis tout à l'heure. Je suis désolé, hein. Je fais des tests, là, je comprends rien. Ça va pas me faire peur. J'ai vu. Je suis désolé, Violette. Merci pour les bits. Merci comme pour les bits, connard. Je suis désolé. Je suis désolé. Oh. Coucou Sam, ça va Loulou? Je vais juste faire coucou, on a les dodos et c'est normal de passer faire un coucou, je trouve. T'es gentil. Merci mon loulou. Merci pour les bits Violette. Mais j'étais en train de... Il buguait mon putain stream deck, du coup je... En fait c'est pas stream deck, hein. Le stream deck va très bien, c'est mon PC qui a du mal à tout faire tourner en même temps. Du coup j'avoue, le voice mode c'est bien, sur mon PC c'est moins bien. C'est beaucoup moins bien. Genre il s'est mis en route, je sais pas pourquoi le truc... Désolé, j'ai pas eu peur. Et comment qu'il va lui? Merci de passer faire coucou, hein, Sam, c'est gentil. Jette la boîte. Ça, c'est quoi? Ok. Oh, il est beau. Tu veux que je fasse la bouche? Attends. Chocolat! Il y a mon chat à côté là. Merci pour les bits. Le petit miam miou. Le petit miam miou. D'accord, d'accord, ok. Putain, là on en vient. Hein. On a ouvert la porte. Qu'est-ce que ça on peut faire? On peut rien faire. Ça, on peut pousser, tirer des caisses. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une cuisinière. Et des années 40, forcément. C'est la guerre. Putain, tu peux tout prendre. J'ai pas entendu le gémissement. C'est tout à l'heure. Ah ouais, je sens que je parle pas fort. Oh là là, je m'entends. Donc, ok, je suis déjà un petit peu bloqué ici aussi. Ok, je vais essayer autre chose. Là, peut-être. Non, là, c'est là où j'avais récup. Je sais plus quoi. Mais j'ai récup. Ou alors c'est un autre, bizarre, il y a le truc qui s'est remis. C'est un autre? Ouais. Non. Ah d'accord, le truc se ferme tout seul et il se relocte tout seul. C'est génial. Oh, cette lampe.
Ah ouais. Cette lampe me casse les couilles. Voilà. J'ai parlé avec cette voix. Parce que de toute façon, je trouve pas le chemin. Heureusement, il n'y a pas Vésu. Elle a chanté le chemin. Mais là, j'ai pas de thé. D'ailleurs, je vais mettre... C'est l'épée, normalement. Attends, tu sais quoi? Je vais essayer un truc. Rien à foutre. Mais on peut pas... Pourquoi je peux pas sortir mon flingue? Le trou dans le mur. J'ai vu tout à l'heure, mais... Je vais retourner, attends. Pourquoi on n'entend pas les... Ah ouais. le trou. Parle de trou. Le trou. Tu veux que je fasse l'amour au trou? Ça va bien. Mais il est peut-être... Oh, l'épée. Là, il y a un truc. C'est quoi? Du tissu. Regarde, tu vois, je... Et je peux rien faire. Est-ce qu'il faut enlever cette merde là? Ça se trouve, c'est juste ça. Chier. Tu crois? Bah non. Ça quand ça tremble. Ok, le mur. Ok, là tu te baisses. Les trous. Ouais, je sais. Ça me fait rire. Et je teste en fait. Je m'amuse. On les fait à la Fort Boyau? C'est-à-dire? De quel rêve de Fort Boyau tu parles? Encore un vomito? Putain, mais c'est fou ça. Oh, ça se fait. Sors, t'as plus le temps. Oui, j'aimerais bien sortir, mais j'avoue, je trouve pas. Non, mais je m'en doutais. C'est un jeu comme ça, c'est normal. Enfin, je savais pas forcément que ça allait être ça quand je me suis dit je vais faire le jeu. Mais en fait, ça m'étonne pas. Tu vois, il y a des trous partout, en fait. Mais c'est des monstres, clairement. Passe d'un jeu à une lampe de poche infinie. J'ai peut-être loupé des trucs avant. Putain, mais les trucs se referment tout seul. Ou alors c'est fait exprès, j'en sais rien, mais en tout cas c'est mal fait. D'accord. Là-haut, mais bon, est-ce qu'on peut monter là-haut? Ah, on peut fermer la trappe? Incroyable, ou l'ouvrir. Le stylo pour le cadenas. Et je crois que je peux pas le prendre, le stylo, je vais regarder, mais... Je crois que je pouvais pas le prendre, c'était les tiroirs, en fait. Je pouvais ouvrir. Non, mais après, il y a peut-être des trucs que j'ai pas encore regardé, tu vois, les vestes et tout. Ils disent observer, machin... Donc faut regarder de partout. Mais là on voit pas grand chose. Donc je pensais que ce genre de jeu me dérange pas de base, mais...
Des fois, tu passes trop longtemps à un endroit. Toi, j'ai peut-être pas tout regardé ici tout à l'heure. Je lis pas les notes, je me dis que ça sert pas, mais peut-être que ça sert, on verra. Ah là, il y a une chaîne. Une chaîne. Donc, tu fais un truc pour péter la chaîne. Si je retrouve le stylo, j'essaierai, Buddy, mais là, je sais plus où il est. Donc, c'est la guéguerre, ok, on a compris ça. Je reviens un peu, ok, où j'ai loupé deux, trois trucs, mais. Non, y a rien. Là, je venais, je sais plus. Là, il y a des trucs que j'ai pas pris, c'est sûr, là. Marche pas la lampe. Il faut ouvrir les trucs. Il y a des choses dedans. Ah non, mais tu peux tout porter après, en fait. Putain de lampe. Oh la lampe! Casse les bonbons. Je vais trouver un truc utile au bout d'un moment quand même, non? C'est horrible. Elle veut pas s'allumer, elle. Ça m'arrangerait pourtant. Ok, il n'y a que dalle. Ok, là non, c'était le truc là. Ok, là-bas je venais de là. Je vais tenter là. Là j'étais tout à l'heure. Il n'y a pas forcément des trucs dedans. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les menstruations. Le temps d'aller aux toilettes, madame. Ok. Ok, bon, on va retourner là-bas. Franchement, je cherche, hein, je fais un effort. Hein. Mais là. Faut sûrement une chaîne pour ouvrir ça. Est-ce que ça, on peut le virer ou pas? Non, on peut pas le virer. Ça, on peut pas l'ouvrir. Ça, on a pris ce qu'il y avait dedans. Ok. Ça, regarde, il a Buddy le stylo. Regarde. On peut le prendre, mais tu crois? Ça m'étonne. Hein. J'aime pas où il est le truc en plus. En plus, je peux pas recharger la lumière quand je l'ai dans les mains. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il serve à quelque chose le stylo. Peut-être, mais bon, on verra. Pas, j'ai des grenades, faut pas que j'oublie. Il y a cette putain de trappe. Alors, à mon avis, c'est là-dedans. Je pense qu'il faut ramener quelque chose, genre la chaise, fais voir. Obligé, non? Putain, ce gameplay de merde. Oh là là, bordel! Je vois que ça. Hein. Ah,
reviolette. Oh, qu'est-ce qu'il a le bébou? Il est malade ou quoi? Où c'est la chaleur? Accroche-toi. Je sais pas parce que t'as vu, je peux rien faire avec à part le jeter. Bah, faut voir. Faut que j'aille voir. Faut tout que je teste. Mais toi, il y a une trappe là. Bon, mettre une chaise en dessous, c'est franchement impossible. Rien n'est plat. Non, ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça, c'est pas possible. Déjà, je sais même plus où je l'ai mis le stylo. Mais le problème, c'est que je peux pas. C'est un tout, l'herbe à chat, la chaleur et le fait que j'ai dû lui donner des croquettes qui sont pas les habituelles. Retard de livraison. Ah, mais... Marde. Coucou le batou. En plus, c'est juste là le cadenas. Putain, c'est pas, ça se tente. Hein. Attends, il était où le crayon? Il était sur un bureau qui n'est pas là. C'était là, je crois. Il a failli me faire peur, ce bruit. Le stylo, je l'ai fait tomber par là. Mais alors, mec... Mais alors là... Qu'est-ce qu'il dit, le batou? Sors en lurk, je me mate un bon film comédie. Bon film, mon loup. C'est quoi le film? Et merci beaucoup pour ton lurk. Bon petit film, moi je coupe pas tard, de toute façon minuit. Parce que je travaille et que je suis déjà fatigué. On va pas se mentir. Le stream de reprise de boulot est compliqué. Niveau fatigue. Je trouve plus stylo, Buddy. Mais honnêtement, j'y crois pas. Parce qu'on peut rien faire avec... Les fausses blondes infiltrées. Oh putain, ce vieux film. Avec les frères Wayans, là. Bah écoute, bon film. Et merci de passer et laisser le lurk. Quatre mères en minuit, c'était trop crevé, personne t'en voudra. Ah, j'adore ce film. Bah, je l'ai vu il y a très longtemps. Non, mais je sais, hein, je sais. Mais j'aimerais bien comprendre un peu, passer le truc, t'sais. Fait chier ces jeux-là. C'est qu'il y a 23h presque. Mais voilà, je le sens bien que il n'y aura pas de deuxième stream sur celui-là. Je sais pas. J'ai regardé un petit peu ton stream. Ah bah t'es gentil. Je galère, mec. J'ai pas l'habitude de ce genre de jeu là où faut trop chercher. Et tourner en rond et passer 50 fois les mêmes pièces pour réfléchir à quoi ramener là-bas. C'est pas pour moi, ça. J'arrive pas. C'est trop chiant pour moi. Encore une fois, hein, je donne que mon avis. Hein. Je peux rien ajouter. Faut gérer ton inventaire, c'est... Calice de Chris. Si je bois là-dedans, je deviens immortel. Amnesias de Bunker m'a dit qu'il n'est pas terrible par rapport aux épisodes. Bah, je sais pas, parce que j'ai jamais fait les épisodes précédents. Mais en tout cas, de ce que je vois depuis tout à l'heure, je suis pas très emballé, quoi. C'est compliqué. Je sais que Vésu voulait le faire, par exemple. Je sais pas si elle va aimer ça, Vésu. Putain, je sais pas quoi faire, en fait. Il y a un truc à faire que je dois pas voir. Mais je sais pas laquelle. Ça c'est quoi ça déjà? C'est juste une beau boîte. T'as pas beaucoup de balles, de grenades, de trucs, donc tu te dis bon, je teste ça, mais je nique toutes mes. Ma thune, frère. Crochet, ça veut pas.
Ah, c'est moi qui ai fait bouger l'échelle? C'est bizarre ça. Toi, genre ça, là, si je pouvais l'amener sous la trappe, mais. Elle est trop loin! Elle est trop loin! Elle est trop loin, la trappe! Trop loin, la trappe! Ok, ça. On s'en fichtre. Puis on voit rien, hein, dans ce machin de ce bunker de marde, là. Non, là, c'est fermé. Le seul truc que je vois, c'est la trappe. Ouais, je sais. Donc en fait, je suis passé 50 fois au même endroit depuis tout à l'heure. Et ça, j'aime pas. Il faut sûrement une clé pour le cadenas. Il y a une chaîne aussi que je peux pas ouvrir, là, il y a un placard. Mais j'ai pas de truc pour couper la chaîne. Mais ça ressemble beaucoup à Resident Evil par contre sur certains trucs. Si c'est un coupe-boulon pour la chaîne. Scandale. Cette porte elle était pas ouverte. J'y suis déjà allé ou pas? C'est quoi? On va essayer à la grenade, hein. Pour où j'en suis, hein. Et j'en ai ou pas? C'est même pas dit que j'en ai. Ah putain, j'en ai plus, bien évidemment. Bien évidemment. Bah non, c'est pas. On va pas essayer la grenade. Alors. Non. Voilà, j'ai pas aimé le jeu, c'est de la merde, je le dis. Allez, vous faites enculer. Foutez-vous votre gameplay de merde au cul, bien profondément. Voilà. Niquez bien, niquez-vous le jeu. Ceux qui ont fait le jeu, je sais pas qui c'est. Mais niquez-vous. Merde, j'ai pas fait exprès, c'est pas ça que je voulais faire. Ah bah quand même. Non, c'est bon. Je m'en fous, je le dis, le jeu est nul. J'aime pas. Soir le Psylon. Ça, mon loulou.
Il nous gronde. Je rigole, moi. Non, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Ça, du coup, ça confirme ce qu'il me dit Batmaniac. Hein, parce qu'apparemment, il est moins bien que ceux des autres. Enfin, que les autres. Donc, voilà. Ça, Epsilon, t'arrives sur un petit rage kit des familles, ça faisait longtemps. Mais j'ai voulu aller, j'ai vu trop grand. 2 jours d'horreur à la suite, c'était pas possible. Non, non, c'est pas pour moi ces jeux. Je peux pas. J'arrive pas avec le gameplay. Je trouve ça lent. Et j'aime pas chercher comme ça 3 heures, passer 50 fois dans les mêmes pièces, louper un petit détail qui fait que tu vas pouvoir ouvrir la porte là-bas. Je déteste ça. Je déteste ça. Je déteste. Je peux pas. C'est pas pour moi ce genre de truc. J'arrive pas. Crash Kit d'Amnesia, The Bunker, ouais. J'ai vu le clip, tu veux un câlin? Alors voilà. Alors, bon, j'abuse, hein, j'en rajoute en disant que c'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde, mais après, voilà, ça n'engage que moi. C'est pas pour moi. En plus, c'est censé être des jeux d'horreur qui te font peur. Mais moi, ça m'atteint pas, en fait. Ça me fait pas peur. Je vais être surpris par des jumpscares. Hein. C'est le truc de loot qui m'a fait peur tout à l'heure. Mais c'est pas le jeu. J'arrive pas. J'adhère pas avec ce truc-là. J'aime bien les jeux qui font peur de par leur ambiance, de par plein de choses. Genre Last of Us, des jeux qui font peur comme ça, qui sont angoissants. Mais les jeux d'horreur comme ça qui sont censés te faire peur, au final, c'est tous les mêmes. T'avances dans une pièce, tu vois rien, t'as une lampe de poche ou pas, qui se décharge ou pas. Il faut chercher le moindre truc. C'est tous les mêmes. C'était ça dans celui que j'avais fait aussi, là, qui m'avait gonflé, là. Je sais plus comment ça s'appelait. Outlast, je sais plus combien, là. C'est tous pareil. C'est tout basé sur le même truc. Et moi, j'y arrive pas. Voilà. Visage, déjà, visage, même d'autres. Il y en a plein comme ça, il y en a un où je tournais en rond dans l'espèce de collège, c'était lequel? C'était un Outlast, je crois. Oh, ça m'avait gavé. J'y arrive pas. R.E. Vesu. Ouais, R.H. quitte. J'ai pas bien compris. Il a pas aimé. Ouais, j'ai pas aimé du tout. Il me faut le clip de Vesu qui aura le clip du Toc Toc. C'est pas pour toi. Oui, Atlas 2, ouais. Non, c'est pas pour moi. J'adhère pas à ce truc. Voilà. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Bah, c'est pas ton style. Pas... Ah non, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien, en vrai, tu sais. Parce qu'il y en a plein, des jeux comme ça, tu sais. Mais non. Je peux pas. Donc, voilà. Prochain jeu, on verra. On fera peut-être ça un jour. En fait, ce jeu-là, You Suck at Parking, ça fait la démo, je l'ai chargé il y a longtemps sur... chez Ustrak, j'ai dit c'est quoi? Sur Steam. Et en fait, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, je n'avais pas vu avant, qui était sur le Game Pass. On pourrait faire ça un jour pour rigoler, on verra. Donc, ouais, pas pour moi. Style Wake the Deep... Moyen quand même, on va pas se mentir, moyen, j'ai pas tout compris en plus. C'était assez mou au final. Bon, Amnesia, laisse tomber, je peux pas. Il faut trop chercher et tout, c'est pas pour moi. Je vais pas le juger. Steel Wake the Deep, je l'ai fini. Lui, je vais pas le juger. J'ai réussi mon objectif du soirée, avoir les 3 gemmes dans Tunic. En 4 tries, je me suis bien mis. GG, ma petite Vésu. Tunic, je connais pas en vrai, c'est un peu Zelda, non? Ou je plane? C'est pareil, sa tunique, je l'ai là, il y est là-dessus, je crois. Mais je le ferai pas. C'est juste pas possible. Et à côté de ça, j'ai kiffé Death Stranding 2. Death Stranding, pardon, le 1. Et voilà. Je suis extrêmement bizarre et compliqué sur les jeux vidéo. C'est ça le truc. Là, le jeu que j'attends le plus, c'est clairement Death Stranding 2. Si, un jeu qui a l'air pas mal, je vais le faire. Alors déjà, il y a Indiana Jones, le jeu qui va sortir je sais pas quand, là, à la rentrée. Il va être sur Game Pass Day One, donc je vais faire Indiana Jones, je vous le dis. Ouais, Death Stranding, c'est très lent aussi, mais il m'a pris direct, le jeu. Je sais pas pourquoi, il y avait un truc.
Après, déjà, c'est monde ouvert. C'est une aventure folle, mais je sais pas pourquoi. Je saurais même pas l'expliquer, en fait. Une sorte de Zelda. Ouais, c'est ça. Une sorte de tunique. Tu aurais ri. J'ai vu, attends. J'aurais ri aussi. J'ai vu en stream, tu devais chercher ton rond. C'est, bah, ouais, et c'est pas pour moi. Voilà. C'est pas pour moi. Donc, Death Stranding 2, je l'attends de ouf. Il y a Indiana Jones qui va être Day One sur le Game Pass, donc je ferai Indiana Jones. Même peut-être Day One, si ce ne serait pas mon jour de stream habituel, on verra, je ferai peut-être quand même. Je sais pas, on tentera. Qu'est-ce que j'attends ? Si, il y a un jeu, c'était à Tchernobyl. Il avait l'air pas mal, le jeu. Je ne sais plus comment il s'appelle, je l'ai noté, je ne me rappelle plus. Vesu, tu verras, il faut extrêmement chercher les trucs, faut... Le gameplay est très lent, faut faire beaucoup de choses. C'est pas très intuitif. Tu t'y fais, je pense, à force. Mais bon, tu verras. Teste, fais-toi ton propre avis. Moi, j'ai pas aimé Amnesia. Dead Cell ou un truc comme ça, tu l'as fini. Alors, Dead Cell, c'est entre guillemets infinissable. Non, Dead Cell, je... Non. Dead Island, j'avais kiffé. Mais c'est pas un jeu d'horreur pour moi, Dead Island ou Dying Light. C'est un jeu dégueulasse avec des zombies qui fait un peu peur, mais... Le jeu d'horreur typique pour moi, c'est ce que je viens de faire ce soir. C'est Visage, c'est ce que je viens de faire ce soir. C'est Outlast, c'est des trucs comme ça. Déjà, t'es en vue intérieure systématiquement. Et moi, j'aime pas la vue intérieure. Déjà, systématiquement, déjà, ça me rebute. Faut tourner, chercher, je peux pas. Des petites énigmes comme il y a dans Resident Evil et tout, de temps en temps, dans les anciens, ça passe et tout, mais... La personne que j'ai vu faire Amnesia de Bunker, c'était très rythmé avec lui. Pas lent du tout, donc c'est vraiment propre à chacun. Ouais, mais parce que le mec, il doit kiffer chercher. Donc il cherche, il fait, putain, regarde, attends, je suis passé dans ce truc, ça se trouve, c'est cette boîte qui va aller là. Parce que le mec, il aime ça. Donc forcément, il rythme le truc parce qu'il est content, il le fait, il cherche. Il est dans le mood. Moi, je suis pas dans le mood, donc ça me gonfle vite. Je tourne en rond, je cherche à moitié. Parce que j'aime pas. Donc oui, effectivement. Mais ça reste quand même mou. Comme style de truc. De toute façon, c'est fait exprès. Hein. C'est pour que tu, si t'es sur rapide et que tu sais tout faire d'un coup, c'est plus un jeu d'horreur, quoi. Déjà à Scare Jump. Ouais, mais Scare Jump, moi, il y en a quelques-uns qui vont me surprendre, mais bon, ça reste rare quand même. J'ai dit que ça va pas tard. Et Madison, ouais, je sais pas de nom, je connais, mais. 100% Serd, ouais, c'est ça. Comme dit QQ, il est. Et j'aime vraiment finir dans le sens où il faut le terminer plusieurs fois avec plusieurs niveaux, c'est ça. J'ai vu un peu, mais t'es chaude de ouf, j'ai trouvé. Puis, alors, tu sais quoi, j'ai. Ouais, mais je peux pas faire ça. Là, si je fais ça, je me tire une balle dans le pied pour ce soir. Un Sea of Steve, il tourne sur ton PC. Mais je vais le faire, Sea of Steve. Parce que je peux le faire en cloud. Donc c'est prévu, je vais le faire, Sea of Steve. Il y a sûrement Fabio, c'est ceux qui veulent revenir. Donc j'essaierai, Sea of Steve. Je ferai au moins un stream. Non, on commence pas des jeux d'horreur. La puits des jeux d'horreur. Et alors, c'est pas un jeu d'horreur. Je vais vous faire voir ce que c'est. Je vais pas le lancer, hein, mais c'est pour vous faire voir. Est-ce que je peux le chercher comme ça, là? Alors ça, c'est pour le coup, je crois que c'est que des énigmes. Celui-là, là. Ah, vous voyez pas tout, mais bon, vous avez compris. Il est sorti, j'ai pas trop regardé. Faudrait que je regarde, moi. Corne. Attends, on peut pas le mettre le mieux là? Putain, c'est chiant ce truc. C'est Scorn. Attends, si je clique dessus. Là, vous voyez rien d'autre. C'est nul. Bref, le jeu c'est Scorn. Si je peux mettre ça. J'avais vu Boubouche le faire. Je crois que c'est que des énigmes. Je sais pas s'il y a du son. Oui, il y a du son. Desolate and decayed.
A grisly nightmare of macabre perception. Greetings. I'm your host, Doug Bradley. C'est ça, et c'est plein d'énigmes, des trucs à bouger et tout. Plague Tale, Scorn. Ouais, je pense pas non plus, Fabio. En fait, il a l'air très beau, par contre. Et la DA me plaît. Voilà. L'ambiance sonore, la DA est bien, en fait. Mais je sais que c'est très lent. T'as des énigmes et tout. On va le faire, je vais le faire, j'en ai parlé, Buddy, juste 4 parking. Ouais, on peut le faire. On le fera, on essaiera. En fait, t'es comme ça, t'es en vue comme ça. Find yourself, j'avais trouvé très efficace. Peut-être que j'aimerais, je sais pas. Toi, c'est que des énigmes, comme ça. Mais t'as des... Je crois que t'as des... C'est perché en fait. Je crois que t'as des méchants. Mais je connais pas ton jeu, tu me dis par contre Find Yourself. Il n'y a pas de dialogue. D'accord. Mais l'ADA et le délire est fun, enfin c'est très bon. Je mets dans les suggestions sur Didi, il est pas trop connu, c'est pas un gros jeu qui a passé. D'accord, ok, merci. Si, tu vois, il y a des monstres, mais c'est lent quoi. Donc tu vois, j'ai un peu envie d'essayer en fait. Il me tente, mais en même temps j'ai peur de vraiment pas aimer quoi. Après il a l'air plus clair, tu vois là, le truc d'avant, Bunker, t'es dans le noir quasiment. Ça c'est chiant quoi. Sur Steam Vitoff le début, pour savoir si tu peux me trouver. Ouais mais tu vois, Bunker, j'ai essayé Vitoff le début. Hein. C'est trop d'énigmes, ça va me saouler, mais c'est quasiment que ça, je crois. Mais oui, donc il y a grande chance que ça me saoule. Donc je verrai. Donc oui, prochain jeu, je vais vous faire voir. Du coup, on discute un peu. Hein. Prochain jeu, j'hésite. C'est où je parlais tout à l'heure de A Plague Tale Requiem. Donc le deuxième. Donc il dit, oh, tu es là, buddy. You suck at parking, on le fera. C'est du multijoueur, c'est marrant. Tous ceux qui ont Game Pass, il est dessus, donc on pourra le faire. Jeu très difficile à comprendre. Ouais, c'est ça. En plus, il y a pas mal de trucs qui peuvent être du domaine du suggestif. Fais gaffe sur le stream. Et ouais, j'avais vu DJ Boucherie à l'époque hein, qui le faisait. C'est... En fait, c'est très spécial. Alors, c'est pour ça que je me dis, faut que je teste. Je vais le tester comme dit Violette en stream. C'est juste que j'ai pas eu le temps de le tester, lui. Donc, je testerai. Et je vais voir. Et comme j'ai aimé Death Stranding, je sais pas, des fois... Gang Beasts aussi en multi Game Pass. Ouais, on peut essayer Gang Beasts aussi. Gang Beasts, c'est un peu... C'est ton vitant. Hein. Bon, on verra. Après, on peut faire une soirée comme ça. Gang Beasts, du Socket Parking. A Plague Tale, il est très lent. Je sais, j'ai fait le 1. Je trouvais ça pas mal, mais ça m'a vite gavé aussi. Je l'ai fini. Mais à la fin, c'était chiant. Donc, je sais pour ça. Je sais pas, on verra. Ouais, on fera une petite soirée comme ça. Un jour, on fera le... ce que t'as dit, Buddy, là. Gang Beast, on essaiera. Petite soirée You Suck at Parking avec, là. On fait plusieurs petits jeux comme ça. Il y en a d'autres hein, là-dessus. T'es me gaffe avec son solo. Voilà quoi. Donc le prochain jeu c'est où Plague Tale ou le dernier Star Wars là. Ouais c'est ça Fabio, c'est très très répétitif. C'est lent un peu répétitif. Stardew Valley, non. Il y est. Hein. Non, non. Même en off je fais pas ça, c'est pas pour moi. Il est hyper répétitif. Oui bien sûr quand il l'a dit ça m'a fait tilt, je m'en suis rappelé du premier et tout. Donc il est là, Plague Tale, j'essaierai. Bon après vous voyez pas à gauche c'est chiant.
Lui, il y a une espèce de sous-like avec un crabe, mais bon, c'est pareil en stream. Tu passes le jeu à apprendre pour avancer sans te faire choper. Ouais, c'est ça. Ça résume à trop 4 mécaniques à répéter toute l'histoire. Bah, c'est ça. Puis... Sauf à la fin, bon, sans spoiler, ça change un peu avec le gamin. Là. Déjà, il s'appelle Hugo, donc je peux pas. Sinon, attendez, je vais vous faire voir. Bon, après. Je le ferai en stream, c'est sûr. Et si je le fais, continue pas, je le ferai en off, c'est ça. Il y a Brothers, mais je crois qu'il se joue à deux celui-là. Crabbe, il était pas mal streamé il y a pas longtemps. Je pense qu'il y a eu du succès. Le gamin est hyper fou et relou. Ah, gamin, il est relou. Hugo, t'as envie de le frapper. Ouais, le jeu du crabe, c'est comment il s'appelle? Je l'ai testé, hein. J'ai commencé une partie. C'est un Souls-like, hein. Clairement, c'est un Souls-like. Il est dur. Hein. Treasure, voilà. Another Crab's Treasure. Je sais pas si vous voyez là. Vous voyez pas tout à fait, mais il est à droite là. Au-dessus de ma tête. Il est bien. Hein. Il est pas mal. Mais c'est pareil, c'est un Souls-like. Donc faut farmer, faut avancer, faut. Comme ça, tu peux le jouer seul aussi, c'est bien celui auquel je pense, il était bien. Je pense hein, que c'est lui, bah après il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais... Il y a Atomic Heart que j'ai commencé aussi, mais. J'ai beaucoup de mal hein, avec les jeux de. Les jeux me. C'est de plus en plus dur que je trouve un jeu que j'aime bien, quoi. C'est un peu chiant. Et c'est pareil, Atomic Heart, j'ai commencé. Je suis à l'espèce de premier boss un peu bizarre et j'ai lâché. Trop répétitif, j'ai déjà vu dès le début, ouais. Moi, c'était un peu trop. C'est du FPS, quoi. Bon, il est où l'autre là? On pourrait faire du. Disneyland Adventure, vous voulez que je fasse? Monstre interview. Ouais, c'est bizarre. Tout se joue seul, mais dans le remake, il propose de jouer. Ah, d'accord, c'est ça. Je trouve le jeu, puis on va se quitter tranquillou. Pour faire vrai. Donc, c'est vous préférez Plectel ou. C'est pareil, Hellblade là, j'ai essayé, c'est hyper lent. Gris. Et tu sais quoi, Vésu, j'ai commencé gris. Je l'ai fait, enfin, je le fais un peu en off de temps en temps. Et là, je crois que j'étais. Il me semble que j'étais bloqué. Il va l'insulter le jeu. Gris, super. Et en fait, j'ai pas compris en quoi il était triste. Alors, je l'ai pas fini, donc c'est peut-être à la fin que tu comprends qu'il est triste. Pour l'instant, j'ai pas compris. Mais j'ai commencé, hein, je l'ai fait, hein. Je sais pas où j'en suis, il me semble que j'étais bloqué là, je sais plus. Mais c'est comment dire? En plus, c'est même pas une question de lenteur, parce que moi j'ai adoré Red Dead 2, par exemple. Red Dead 2, j'ai adoré. Genre, c'est un de mes jeux préférés. Mais il est hyper lent, Red Dead 2. C'est pas la lenteur qui me dérange forcément en fait. Death Stranding est hyper lent. Il y a des millions de trucs à faire et tout. Mais voilà, les jeux, je les ai aimés. Donc, c'est pas une question de lenteur. C'est pas la lenteur qui va me gêner forcément, en fait. C'est si je suis pris ou pas. Voilà, si ça me parle ou si ça me parle pas. C'est aussi simple que ça. Inside, ouais, il y a Inside. Mais c'est pareil, c'est très lent, Inside. Have a Nice Death. J'ai essayé Have a Nice Death. C'est du Dead Cells. C'est du Roguelite. Je suis pas fan, à part Isaac, Dead Cell j'avais bien aimé pendant que j'ai joué un bon moment aussi. Mais j'ai vite lâché Isaac, voilà, c'est Isaac, mais. Hollow Knight, c'est même pas la peine, j'aime pas. J'ai lâché Red Dead 2. Il est tellement bien. Inside, c'est lent, mais qu'est-ce que c'est prenant, bordel, la fin. OMG. Si ça vous tente, je peux en faire. Je peux, hein. Inside, et après, tu m'avais dit, la suite, c'était... j'ai plus le nom, mais tu m'avais dit. Ou alors, c'est lui, la suite, je sais plus. Plus quel est le premier, tu m'avais dit. Limbo. Limbo, c'est la suite, je crois. C'est ça? Limbo et Inside. Ah, d'accord, voilà, c'est dans ce sens-là.
Ok. Putain, Fabio, mais vous allez dire, mais ce mec, il aime rien. Mais en fait, j'ai aimé tellement de jeux. J'en ai fait, mais j'ai essayé Gears of War. Parce que j'essaye. Xbox, je connais pas trop. Et j'aime pas Gears of War. Et pourtant, c'est vu à troisième personne. Je sais pas, si t'avances, tu flingues tout. Je sais pas. Ouais, je connais un sweeper. Il m'a vu jouer, ce sera pas son truc. Je l'ai, il est là, un sweeper. Il y est sur le Game Pass. Mais j'essaierai en off comme ça. Pas sûr que ce soit mon truc. Hein. Je l'ai vu faire Violette. C'est ça, ça. Lui, un jour, je le ferai avec Violette. J'ai toujours dit. On le fera. Il texte tout. Il sera à côté de moi. C'est bourrin, mais les dialogues entre. Alors par contre, tu me fais penser au dialogue de Atomic Heart. Alors par contre, mec. L'ordinateur avec la voix de femme dans le. Tu sais, pour t'améliorer là. Les dialogues, ils sont goldés. Ils sont goldés. Le distributeur, il est pas incroyable, Fabios. Dialogue très. Oh, putain. Vas-y, mets-la-moi en profond, mon chou. C'est abusé. C'est du porno carrément. T'es que tout, on le fera, on le fera. C'est Atomic Heart. Les dialogues, c'est n'importe quoi. Il y a Killer Instinct. Instinct. Je sais pas comment vous dites. Si, il y a peut-être un jeu, mais c'est pareil, c'est un peu de l'horreur. C'est Kona. Bah, celui-là. Kona 2. Je sais que tu l'aimes, ce jeu. Je peux rien savoir. Lies of Pipi, j'ai déjà fait. J'ai beaucoup aimé Lies of P, tu vois, il y a plein de jeux que j'ai aimé. Non, en vrai, là, le prochain jeu que je vais faire, si je m'étais pas pris le voice mode, j'aurais pris le DLC, mais c'est pas grave, je le prendrai plus tard. Elden Ring. Et je veux faire le DLC d'Elden Ring, je pense que je vais plonger dedans. Je ferai peut-être un stream dessus ou deux, mais je pense pas que je ferai tout le DLC en stream. Quoique, on verra. Je sais pas, parce que Elden Ring, j'aime beaucoup, donc. Little Kitty, j'ai vu. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Maniteur, je voulais le faire au début, mais en fait, en stream, c'est chiant. Aïe, on va te perdre, tu vas disparaître quand tu vas lancer le DLC. Ah ouais, l'Elden Ring. J'ai tellement hâte, en fait. Mass Effect. J'ai pas essayé Mass Effect. Ouais, je l'essaye. Je sais pas si ça me plaira. Je pense que c'est trop long, c'est trop RPG, je crois, non? Pswart. Pswart, David. Oh, mais que voilà Peppa Pig. Ah oui, il y a Peppa Pig. A fini Steelwax? Ouais, j'ai fini Steelwax. J'ai fini Steelwax. Je m'améliore. Je finis deux jeux en pas longtemps. Par contre, j'ai commencé Amnesia. Alors, j'ai kiffé comment. J'ai pas détesté en tout cas. Un peu mou quand même. C'est pas si peur que ça. Bon, l'histoire, j'ai rien compris. Je te le dis, il fallait peut-être écouter vraiment les dialogues des persos. J'ai pas trop écouté, je vais pas te mentir. Donc, j'ai pas vraiment compris, mais voilà, je. Sans. Il casse pas trop de patte un canard, mais bon, je l'ai pas détesté. Arrête, Fabius. C'est pas cette question. Non, mais Steel Wax the Deep, ça va. Je l'ai bien dit ou pas? Je sais même plus. J'ai fini d'y jouer. Oui. J'ai fini d'y jouer à vie. Y a bien Rashkit. Ouais, on peut dire Rashkit. M'a saoulé. Comme je disais, c'est vraiment très. C'est le jeu d'horreur, quoi. Peut-être que toi, tu vas aimer, je sais pas. C'est trop lent à mon goût, faut trop chercher les choses. Le gameplay, j'aime pas. C'est pas pour moi. Bah, vraiment ce jeu, ce genre de jeu, que ce soit Visage, ça, tout ce. Outlast, j'accroche pas en vrai. Ouais, j'ai un peu insulté Studio, c'est vrai. Comment avec Visage, ce jeu de mort-là? Ce Visage, je l'ai détesté. Hein. À part, juste pour une chose, c'est que ça m'avait ramené Vésu. Et Violette était en lurk, et c'était sorti du lurk aussi ce jour-là.
Comment ouais, ça. Coucou Malopé. Comment ça va, ma petite Malopé? Pour les bituettes. Enfin, je suis arrivé après. Ouais, c'est ça. Ah, mais le visage, il est vraiment. T'as eu trop peur. Ah, il m'avait fait un petit jumpscare, le visage, mais voilà, c'est pas. Ça va un petit peu. Très fatigué, c'est la reprise des streams et du travail en même temps. C'est compliqué. Putain. Le peur en écho. C'est jamais fini. Ah, mais malheureux, non, mais c'est marrant. Ah, mais moi non plus. Le pire, c'est que je l'ai acheté. Je l'avais acheté visage. Dégoûté. Dégoûté. Donc là, tu vois, j'avais Le racheté jus 40 euros. magique. Je suis magique. Oh, c'était le jus magique. Oh, j'ai la chatte qui me gratte. Vichy, ah, va-t'en ma poupoune, va-t'en ma bibitte. Elle fait péter toutes les commandes. Tu l'as acheté aussi, putain. Ah, ça colle, hein, j'ai les couilles qui me... On s'est fait niquer. Ouais, pardon, j'ai mute. Il vous a niqué la gueule, visage. Voilà. Par contre, s'il veut pas la ken, sa meuf, moi j'y vais. Hein. Très bien. Je me suis détesté. Ah, je me suis détesté. C'est horrible. Dino pseudo avec l'épée. Violette. Une loutre. Ça, c'est Fabios. Fabios David. Ah, Vésu. Vésu. Vésu! Ah, Vésu, fait péter. Malopathe. Fou, malopathe. Malopathe. Quand je file, je passais juste faire coucou. J'ai très faim, je suis éclaté. Je vous pour l'instant, vous des gros bisous à tout. Restez. Des bisous, mon dada. Merci de faire coucou, c'est gentil. Bisous, bisous. Bon app. J'ai faim aussi, en vrai. J'ai mangé quoi tout à l'heure? La pizza. Oh, ils ont tout bouffé, les gosses. Hein. Qu'est-ce que je vais bouffer? Saucisson avec du pain. Va mourir ma petite loutre. Donc j'ai toujours pas trouvé le jeu. Donc voilà, je sais pas si je Plectel du coup. Je sais pas si je ferai Plectel ou. Mais ouais, le DLC d'Elden Ring, je ferai des streams dessus quand même. Quand même, quand même. Redfall, faudrait que je tente. Je me rappelle. Va mourir ma petite loutre. Je te souhaite une bonne nuit, même. Pourri, c'est pourri pour toi? D'accord. Bon, j'essaierai, hein. Attends, j'essaierai de non. Pareil, je pense que c'est marrant, un plus. Oh, j'ai enlevé l'épée, ouais. J'ai mis les rots, 2 minutes. Ils font rire les rots. Celui-là. Alors, je sais pas si c'est le premier. Si, les Tomb Raider, je les ai tous faits. Les Tomb Raider, je les ai tous faits. Ça, c'est le premier Fallen Order? Ou c'est le deuxième? J'arrive plus à me rappeler. C'est le premier, ok. Donc lui, je l'ai fait. Je l'avais fait. Donc je ferai le 2, en fait. Le gros me dégoûte tellement, c'est vrai. Elle parle à Sound Alert? Oui. Putain. Le 2, c'est le Survivor. Ok. Je m'en rappelle jamais. Code 34. Jésus-na. Tomb Raider, donc je les ai tous fait une loutre. Et quand j'ai fait un jeu, j'ai extrêmement de mal à revenir dessus. J'ai tenté, hein. J'ai tenté de refaire un Tomb Raider en live. J'ai arrêté parce que j'ai plus la découverte, la nouveauté, tu sais. Donc voilà, je ferai le deuxième de Star Wars, je pense. Ou Plectel, mais bon. Plectel, j'ai un peu peur en live, en fait. Bon, après, en fait, il y en a plein que je ferais que j'ai. The Outer World, je pense que j'essaierai quand même. Je te vois, tu pourrais aimer. J'ai tous fait, Fabio, ça. J'ai tous fait. Spiritfarer, si vous voulez chialer au grand mort. Spiritfarer, je connais pas. Il y est sur Game Pass?
Je pourrais peut-être dire Outer World aussi. Je suis fatigué, j'ai l'impression de ne pas dormir, de passer mon temps à taffer. Je comprends Vésu, la chaleur et tout. Moi, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Merci quand même d'avoir été là ce soir. Je m'excuse un peu pour la fatigue. Je pensais pas autant fatigué ce soir. J'ai fait une petite sieste. Alors les gosses m'ont un peu laissé dormir, mais vite fait. Avec une fille de chaque côté et avec Malcolm qui gueulait. C'est pas une sieste. Mais bon, bref. T'étais chafouin. J'étais un petit peu chafouin. Chafouin. Fatigué. En fait, quand t'as la fatigue, c'est extrêmement dur de rester concentré sur le jeu, le chat et tout. Et j'avoue. La reprise du boulot me fait mal. Donc je vais me réhabituer et tout, mais bon. Et c'est pour ça que, de toute façon, quand je reprends le boulot, j'étais passé à un stream la semaine, juste le mardi. J'avais enlevé le jeudi, que j'étais passé au vendredi, parce que même pas je tiens. On est humain, ouais, je sais. Comment ça va, mon The Gun? C'est un petit loup? Alors, oui, mais tu n'es pas le renard. Tu parles à Vésu. Comment qu'il va, mon The Gun? Qu'est-ce que j'ai rigolé avec toi l'autre jour? C'était quand l'autre jour? Bah, c'était hier, hein? C'est hier le jour. Qu'est-ce que j'étais mort de rire, mec. Je suis à ça de récupérer un orgasme de The Gun pour lui faire une commande ici. Si tu veux, vas-y. C'est pas le beau chevelu? Attends. Qu'est-ce qu'il dit, mon The Gun? Vous m'avez buté de rire. Ah, j'étais... Bon, il n'y avait pas ma cam, mais vous m'entendiez. Je pouvais pas avancer presque. J'étais mort de rire de l'entendre. C'était trop marrant. Et coucou, le nain master. Qu'est-ce qu'il dit, mon nain? D'ailleurs, on a un autre nain ici, il n'insulte pas. Il faudrait que vous veniez ensemble. J'espère que ça fera pas un croisement des fluves et que ça va pas tout faire péter, mais... Comment tu vas, mon nain? T'arrives un peu en fin de stream. Ah, mais c'est génial, le trio fonctionnait. J'avoue, même Majora, il était très drôle. Ça allait très très bien avec lui. C'était un peu le petit jeune et nous, on était un petit peu les deux anciens, c'était drôle. Du coup, t'en refais demain le attends avec la respiration d'accouchement. Allez, j'avoue, quand il faisait le attends, toutes les deux secondes. 1, 2, 3, allez. J'en pouvais plus. Il va crevationner, mais ça va. Pourquoi il va crevationner? Qu'est-ce qui t'arrive, mon loulou? Ici, comment ça? Bah, ça va. Comme je disais, je suis fatigué, reprise de boulot hier. Il faut que je reprenne le boulot stream, le rythme stream. En plus, j'ai le combo là, j'ai les gosses tout seul. Stream, travail, chaleur. Vis demain, à quelle heure tu commences? À quelle heure tu commences? T'es crevationné, bah, moi aussi je sais ce que c'est. Après, c'est la chaleur. Oh, il m'énerve à mettre des mecs qui font ça là, avec leur solo là. Allez. ⁇ 17h, ok. Ça va être un petit peu compliqué pour moi à 17h. Mais... entre 5h et 6h, je peux venir jouer avec toi si tu veux. Si tu veux, hein, évidemment. Si tu continues et que tu veux un joueur, je dois pouvoir venir entre 5h et 17h. Mais pas le temps de rentrer, prendre ma douche et de me poser un peu, parce que sinon... Avec plaisir, et bah ok, on fera ça. Donc voilà, prochain jeu, ou peut-être A Plague Tale, ou le dernier Star Wars Survivor. Ça en fera un jour aussi, parce que ça se fait à plusieurs. Faudrait que je vois au Wreckfest, parce que c'est du stock car. Je sais pas si on peut jouer à plusieurs, faudrait voir. Ça peut être marrant, de se péter la gueule à plusieurs dans des arènes. Ça peut peut-être être drôle pour une petite soirée, ça aussi. On verra. Moi, je l'ai pas trouvé, l'autre Star Wars, mais bon, normalement, il est dedans. Normalement, la peau était retirée. Bon, Plectel, je sais, non, j'ai fait le premier, mais le premier était un petit peu, comme disait tout à l'heure Fabios, répétitif. Je vais même pas parler de lenteur, hein, parce que je suis fan de Death Stranding et de Red Dead 2, donc je peux même pas dire que la lenteur me jette dans les jeux, en fait. Hop, on va passer là. Putain, du coup, j'ai plus le micro de ce côté. Faut que je refasse le stream deck. Wreckfest, trop délire. Faut que je vois si on peut le faire ensemble, bon, ça peut être marrant, ouais. Ça peut franchement être marrant. Allez, on va chercher un petit raid. Pendant ce temps, je vous rappelle ce qui va se passer toute la semaine. Bon, vendredi,
Je l'ai pas pris encore, mais normalement, un petit jeu surprise, c'est Violette qui m'a conseillé ce jeu. Ça peut être pas mal, on va donc j'aurai sûrement testé ça vendredi. Je ne dis pas ce que c'est, vous voulez pas dire ce que c'est. Ça sera surprise. Moi, ouais, j'ai un peu rage quit. J'ai fini Still Wakes the Deep. Et j'étais parti sur Amnesia The Bunker, mais pas pour moi le jeu. Je dois voir comme ça, c'est pas pour moi, donc j'ai arrêté. Et de toute façon, j'allais arrêter à minuit, loulou, parce que crevé. Demain, je me lève. Je pense que ça va vous plaire, on aura besoin de votre participation. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Suggestion de jeu de Violette, vous allez pouvoir participer. Alors, je peux pas vous en dire plus parce que déjà, j'en sais pas beaucoup plus. Elle m'a fait le speech tout à l'heure, mais j'ai pas vu le temps d'aller voir ce que c'était vraiment en plus. Donc, on va faire ça vendredi, normalement. Hein. Et samedi, un petit peu de Lethal Company. On va reprendre le jeu sans mode, à 4 uniquement, avec 3 miss. Les trois plus belles les unes que les autres, mais il y a quand même une plus belle. Avec Léris, Vésu et Violette. On va retester un peu les nouvelles mages et tout, sans mode, tout ça. Et je serai avec les trois louloutes. Je pense qu'il y a moyen de rire. Il y a moyen de rigoler, on va redécouvrir un peu le jeu. Je cherche un petit raid sympatoche à lancer tranquillou. Et voilà, fin de semaine, je pense que je serai un peu plus en forme vendredi et samedi. J'aurai repris le rythme. Ça devrait le faire. Et ben, c'est quoi? C'est le premier, il nous a fait plusieurs raids, on lui a pas trop rendu ces derniers temps. Il est en live, on va aller voir le Pégase. Là. Il nous a fait un beau petit raid ces derniers temps, on va aller voir le Pégase. On va lui retourner le raid un petit peu. Je suis repassé le clip de Vésu qui twerk en chantant Kyo. Pour pas avoir peur, toujours autant de banger. Allez, c'est vrai. Ah bah j'y suis tillé. Ah bah cool. Allez, on va vous envoyer là-bas. Je tarde pas trop. Attendez, je vais préparer comme ça au moins, ça pourra lancer direct. Je lance comme ça directement. Je fais à tous des gros bisous. Encore désolé pour la fatigue extrême, reprise de boulot, stream, c'était compliqué. Voilà, merci quand même d'avoir été là ce soir. Bah du coup demain, un petit peu de Chain Together chez The Gun. Si vous voulez me voir, je serai là-bas dans l'après-midi. À partir de 5h jusqu'à 8h, je pense qu'il stream. Si The Gun y est, alors allons-y. Ouais, on y va. Des gros bibis à demain chez The Gun, si le cœur vous en dit. Sinon, à vendredi, à samedi, des gros bisous. Prenez soin de vous. Bon courage pour ceux qui travaillent demain. Plein de gros bibis. Bisous, les loups. À demain. À plus tard. Prenez soin de vous.